Vas-y, on va tester, hein. On va tester, les gars, on va tester Red Dead RP. Ça va, le programme, il reste quand même ok. Il y avait des choses en... Il y avait des trucs en... Il y a pas Among Us, quoi. Ah, mais c'est pas grave. On va faire un homme. Personnaliser la peau. Bon, j'ai pas pensé à un perso, hein. on va y aller au feeling. Hein. Ouais, y a beaucoup de monde personnalisation que sur GTA, je pense. Oh, les os. Tout maigre. Mais je vois pas les jambes. Ok. On regarde ce qu'il y a comme cheveux. Bonsoir, bonsoir. Un mort de faim. Je vais faire l'inverse de moi, IRL. On regarde un peu, il y a quoi comme coupe. Ouah, ça a du flow, ça. Voilà, grosse moustache de shérif. Ah merde, ça a pas désactivé les sons. Ok, des sourcils. OMG, des cicatrices de fou. Les gars, je suis en train de réfléchir à mon perso. Plus je le vois. Faut que je l'appelle comment? Je peux pas l'appeler Kram, là. Joey. J'appelle Joey, frère. Non, y a pas d'Hakim là, wesh. On est au western, mon pote. Joey. Hamilton, le nom de Fabi. Il me casse les couilles avec Kramel. Ah, je vais pas le mettre ici, Kram, wesh. Jack el Pistolero. Joey. Joey Kramer. Comme ça, on garde le Kram. C'est quoi, Petechi? Tache cutanée rouge sur le visage. Ah non, je veux pas de pétéchi, moi. Pas grave, on va voir depuis vieillissement 1. Saleté, faut que je sois sale, sa mère, j'ai plus les yep. Enlève le vieillissement. Ok, man. Saleté 14, frère. Type de rouge à lèvres, ça ira. Mélange de couleurs de parapaupières. Mon perso, il a trop de flow, frère. Joey Kramer. Ok. Entrée. Personnaliser le corps. Mais attends. Une fois que j'ai tout ajouté. Je suis con. Pourquoi il a un trou? Ah, je peux pas te dire. Et je dois faire quoi après? Les gars, wesh, les gens à l'ancienne, là je sors d'un combat là en fait. Dites-vous, c'est ça. Je sors d'un combat. Je sors d'une rixe. Ah ouais, faut pas que je parle comme je parle IRL. Faut que j'ai un langage un peu plus soutenu. Merci Aaron Banks, merci INMXX. Il a un trop gros slip. Lave-toi le visage. Mais non les gars, je sors de la boue. Je vais m'appeler...
The Kid of the Mud, on m'appelle. Oh là là, la dinguerie. The Mud Kid. Oh là là. Joey, The Mud Kid. Oh là 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 là, la dinguerie. Oh là 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 là, la dinguerie. Mais comment je valide? Par contre, je vais péter mon crâne. On lui dit ou pas? Que c'est de la frappe? Non. Billy the Kid, Zama. Mais non, parce que Billy the Kid, c'est trop connu. Là, c'est The Mud Kid. J'aime trop la boue. Joey, l'enfant de la boue. Pas mal, je trouve. J'ai fait entrer, voilà, j'ai fait. Ah, fallait faire retour, je suis trop con. Personnaliser le visage. Vestiaire. Non, il me faut un chapeau, mais vas-y, un chapeau, il a été niqué. Comme une paire de TN dans un city. Toi, ta première paire avec laquelle t'as joué au foot. Un chapelard comme ça. Tu vois, celui-là, mais en niqué. Ouais, je vais régler le son TS juste après, les gars. Oh là, oh le flow de baiser. Joey, The Mud Kid. The Kid Mud, non, en fait, c'est nul. Oh la dinguerie, ça me va trop bien, wesh. Non, pas de masque. Wesh, mes frères, je peux avoir un shirt ou pas? Ça a trop de flow, j'étais RP, Red Dead RP, wesh. Il y a trop de flow possible en fait. En plus, je suis un peu enrhumé là, c'est parfait pour ma voix. Ah, désolé, c'est long là, le. J'aurais dû rester sur ce que j'avais trouvé. OMG Zoro? Wesh, mais proche, je suis 280 000. Je suis allé où, frère? C'était quoi ce que j'avais pris déjà? C'était lourd en vrai. C'était pas la dinguerie de l'année, t'as vu, mais ça allait quoi. Vas-y, au pire, je laisse ça, mais vas-y. Ah, on va laisser ça en légende. Cravate, sans cravate, chemise. Avec bretelles ou sans bretelles? Non, sans bretelles, frère. Gilet. Gilet en lélé. Ah mais non non non. Non non non, pas de gilet. Je veux mettre un manteau. Ah mais le problème c'est que ma chemise elle Non, un poncho, un poncho. Bah ouais, un poncho frère. Un poncho. Pff, oh la dingue. C'est nul lâcher les ponchos, voilà. Change la chemise. En fait, faut que je mette sans chemise, c'est ça? Et que je mette un manteau, quoi. Sale d'elle. Attendez, c'est S. Non, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Ouais, il est excellent celui-là, en plus il est troué de partout. Et là, je peux racheter une chemise ou pas? Problème, c'est que tout est troué de partout, frère. C'est quoi un pèlerine? Ah, c'est une espèce de cape. Des gants comme Riyad Mahrez à Leicester. Pas d'anneau. Petit bracelet. Il me faut un sarouel par contre. Non, vas-y, pas de holster, frère.
Ouais, mais envoie un pantalon, s'il te plaît. Mais vas-y, j'ai un trou au sgeg, frère. Y a pas un pantalon qui couvre ça, là? Non, mais je vais... Tout le monde va se foutre de ma gueule, The Bee. Nique sa mère au niveau en légende. Mais peu importe ce qui se passe, en fait, j'ai un trou dans le gig. Faudrait que je demande au mec comment on règle ça. Mes lunettes, elles sont où? Ouais, je remets mes lunettes, Igo. Faut modifier le buste et les bras. Le buste et les jambes. Ok, attendez. C'est 6 bustes. Frère, j'ai toujours un trou. En fait, peu importe ce qui se passe, j'ai un trou. Mets des bottes pour enlever le bug. Ok, attendez. Oh, t'es une légende, putain, Zabi. Bah ouais, j'étais pieds nus, moi aussi. T'es un tout petit, là. Mais là, j'ai un géant, là. J'ai un titan colossal, frère. Guette comment il se tient, wesh. C'est pas grave, j'ai des trous dans ma veste, mais je vais dire c'est à cause de quand on s'est battu la fois. Un crackhead, Zubby. Mais non, frère, tu connais pas, wesh. Tu connais pas mon histoire. Terminé, sauvegarder, écrivez le nom. Joey. Kramer. Et on n'a pas d'homme celui-ci. Et confirmé. Merde, attendez, je vais bouger la cam pour vous. Ouah. On dit que j'ai pas de flow, frère. J'ai trop de flow, c'est une dinguerie, wesh. J'ai spawn où là? Merci Driss pour les 5 subs! Oh, c'est une dinguerie, mon flow. Ça m'a l'air un peu sombre, non? Ou ça va pour vous? Ouais, je veux bien aller dans la ville, mais j'ai peur de tomber là. Allez, dans la ville. Prendre des risques. Joey, c'est un mec qui prend des risques. Le manteau est ignoble. Ouais, mais les gars, si on laisse pas de marge de progression, on va pas progresser. Attends, la map, elle ressemble à quoi? Map. Voilà, dinguerie. L'aquateur, et j'ai l'impression que c'est là-bas qu'il y a toute l'action. Je suis où moi? Wow, mon point il est tout petit, Zebby. Non, j'ai pas de cheval, les gars. Parce qu'il y a des gens ici. Y'a quelqu'un qui bosse ici? Ah, excusez-moi. Frère, j'ai spawn dans un endroit, mon pote. Les gars, il me faut le nom de mon mentor. Tu traces. Il faut que je pète un cheval en vrai. Il faut que je pète un cheval pour aller. Mon objectif serait d'aller dans une grande ville. Donc, soit Blackwater ou Saint-Denis. Attends, mais il écrit que je...
Ah, en fait, on m'a TP, ok. C'est un bon, voilà. J'allais galérer sa mère sinon. Saint-Denis, bah ouais, Saint-Denis quoi. Streamer buff. Merci, merci. Je pense que c'est Mbappé. T'es en RP, ouais. Juste vérifier. Mon perso. Ouais, mais il a l'air de bouger la bouche. Bon. Je sais pas trop quoi faire au début, vu que j'ai vite fait regarder des streams. Je sais pas, y'a rien à faire ici. OMG triche. Comment ça triche frère? J'ai pas triché wesh. Non mais parce que wesh j'ai spawn épicerie générale, poste, théâtre. Y a pas des trucs pour des jeux de hasard? Écurie. Ah l'armurerie c'est sûr, y a du monde. Toute façon il me faut une arme en vrai, je suis un. Okay. On découvre tranquille. Ouais, attendez, faut que je relance le TS, 2 secondes. Faut que je relance le TS. Normalement, j'ai coupé le son, mais tu sais, faut relancer le TS. Ok. Ouais, il y a 1000 slots, les gars. Il y a 1000 slots, mais en fait, dites-vous, genre dans chaque ville, ça doit être limité à 30, 40. Mais vu que la map, elle est immense et que les gens sont répartis un peu partout, bah, tu crashes jamais en fait. Tu peux pas avoir genre 1000 personnes côte à côte, mais pour l'instant, c'est ça qui est développé. De ce que j'ai compris, peut-être je raconte des conneries, mais. On va découvrir hein, de toute façon. Après j'aurai l'opportunité de rejoindre un groupe. C'est juste que là je voulais découvrir en solo un peu voir ce qui était possible ou impossible tu vois. Je sais que tu peux être chasseur de primes dans le. Je sais que tu peux être ça chasseur de primes dans le jeu. Je vais voir il coûte combien les guns. Moi, de ce que m'a dit Zouave, c'est que les morts RP sur ce jeu elles vont super vite. Bah, normal, tu vois, en même temps, c'est acheter des armes. Et moi, c'est quelque chose qui me. Bric-à-brac, lasso renforcé. Attendez, mais j'ai 50$. Appareil photo, jumelle améliorée, lampe, jumelle. Moi, je vais faire un hors-la-loi de faux pour commencer, comme ça, je me casse pas la tête. Revolver, 90$, 80$. En vrai, c'est possible, hein. Fusil à pompe, arme blanche, un couteau de chasse, couteau en os. J'ai envie de prendre un couteau de chasse. Je pense que t'entends pas les gens autour de toi. Ah ouais, y a un problème, je pense. En mode drill. Non, mais non. Je pense. Attends 2 secondes. Ah, j'ai un problème de son alors. Alors, option sur le TS. Normalement, ça c'est. Yeti. Enregistré. Et capture, c'est. Attends, si t'es là, Mbappé, je suis chaud que tu me fais un test là, tu parles à côté de moi. Juste pour voir si ça marche. Je sais pas si tu peux te TP ou un truc comme as. Parce que je sais pas c'est quelle sortie audio vu que j'ai double PC. Oui, c'est Mbappé les gars. Mbappé le vrai. J'ai peur de pas entendre les gens en fait. Je me dis c'est silencieux quand même. Bref, je vais me prendre un couteau de chasse. Je pense que ça peut toujours servir.
Mais mon couteau de chasse, il est où, frère? Mon sac, ouais, c'est ce que je cherche là. Ah, je crois que mon jeu, il a crash. Inventaire. Ouais, mais là, je peux plus rien faire. J'ai fait un truc, je sais pas ce que j'ai fait comme manip. Par terre. Mais là, je peux plus marcher. Crash, Franck. Mais les gars, voilà que je peux plus. Voilà que je peux plus marcher, wesh. Alt F4 relance. Attendez, je me dis, peut-être ça va passer. Parce que là, j'entends les gens et tout, wesh. Wesh, y a un cheval K-pop. Relance ton jeu, t'as réussi à faire la seule manip qui fait planter Redem. Ah merde. Putain, je suis un sgeg. Attends, je sais comment je peux essayer. Wesh. Tout a crash, attendez. Je sais comment je peux essayer. Je vais aller sur TeamSpeak, je vais aller sur Kameto. Allons, t'es là? Oh merde. C'est qui? Ah, je l'entends. C'est moi, wesh. C'est Kamel. Attends. Ah, mais je suis con. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ma gueule. Ah, bah, c'est moi alors. Ok. C'était un test, voilà. Ok, pas de Ça soucis. fait quoi la chaîne T? Rien, je joue à Lost Ark et toi? Jure, tu joues à Lost Ark? Tu joues à Red Dead RP, là, j'essaye. Ah ouais, alors. Bah, je sais pas, là, c'est chaud au tout début, je te dis si c'est de la frappe. Vas-y, je vais regarder. Vas-y. Bonne aventure. Merci, bonne aventure à toi. Merci. Il est trop sympa ce mec. Redem. Execute. Oh non, attends, laisse-moi exécuter avant que ça bug, frère. Si je l'entends sur TS et que lui il m'entend, logiquement, on est bien setup. En soi, en toute logique. La chaîne, il a dit. Mon gara, c'est à Londres. Tu joueras à Lost Ark, sa sortie. En mars, on verra, hein, mais pas avant. Hein. J'ai la flemme de jouer dans le vent. Merci Tantris pour le sub offert. Après, le jeu, il avait l'air d'avoir un bon potentiel, tu vois. Ah, je crois que ça va pas sauvegarder mon personnage, Zebby. Ah si, Joey Kramer. Mais frère, pourquoi il est en slip, wesh? Attendez 2 secondes. Je ne comprends pas, vous comprenez? Posez là. J'ai une complication avec la bande. Oui. J'ai pas tout compris. Vous avez dit, avez-vous l'impression que nous ressemblons à des banquiers? Entre vous, vous ressemblez à des banquiers. Je sais pas. Non, je crois pas. Bon, oui, tout à fait. Vous avez bien vu. Nous ne ressemblons pas à des banquiers, en effet. Non, mais vous êtes sacré mouchi, en tout cas. Vas-y, la musique. Oui, mais Marshall, non, monsieur, nous sommes des Marshalls. Je vous rachète votre lingot 100 dollars. Je sais pas si c'est un bon prix. Il faut d'abord que je demande au banquier. C'est à prendre ou à laisser. Ah oui. En une forme, c'est la main. Oh, moi je vous propose. Oui, Jacques, c'est pas un endroit pour faire des affaires. Écoutez, je vais aller voir avec Monsieur un banquier. Ne vous étouffez pas. Je vais aller voir avec un banquier. Ouais, ils ont un très bon banquier à Black Potter. Je vous donne une table dans le dos. Je sais pas s'ils m'entendent. Voilà, d'accord, et si j'ai un mauvais prix là-bas, je vais vous rencontrer. Excusez-moi. Pour pouvoir vous le vendre à 100 dollars, ça vous va? Ouais, très très bien. Faites très bien. Comme ceci, ouais. Excusez-moi. Très bien, merci à vous, messieurs les marchands. Pas de soucis, mon brave. Allez, on va si vous aider. Et que Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Oui, très bien. Quand vous allez aller à Blackwater. Oui,
Oui. Si trouvez le maire, monsieur McCall, vous dites que vous êtes un marshal à renfort. Mais je suis petit, non, ouais, non, non, ne dites pas ça, non. Mais vrai, je suis oh, comme monsieur, ça, moi j'étais marshal dans ma jeunesse, mais. C'est eux, voilà, très bien. Allez voir monsieur McCall. Allez voir monsieur McCall, il vous échangera probablement votre lingot, je pense. Ouais, il vous échangera vous contre des fibres au cul. Est-ce que si j'ai été dans l'armée des confédérés, ça compte? Oui, bah, vous avez été dans l'armée des confédérés? Oui, oui, j'ai servi pour les confédérés. Ah, bon, c'est un traître. Très bien, bah suivez-moi, on va vous emmener tout de suite, hein, ça sera pour une exécution. Mais comment ça? Suivez-moi, nous y allons. Oui, mais non, mais c'est une blague, enfin, c'est non, une mais je vous reconnais, monsieur, suivez-moi, nous allons... Mais non, mais c'est une blague, enfin, monsieur, je rigole. Vous ne rigolez pas, suivez, monsieur Albert, immédiatement. Allez, c'est un ordre. Attention, il a mangé, il rigole pas. Mais monsieur, j'ai 68 ans, c'est une blague. Allez, viens, place, vous le suivez dans le bord de Martin, ok. Et vous, monsieur, est-ce que ça fait quelques minutes que je vois tourner, mais pas parler? Vous êtes qui? Moi c'est Joey. Monsieur ? Oui, oui, moi. T'es en capacité de parler ? Moi c'est Joey. Vous bien mon brave ? Moi c'est Joey. Ouais, il parle pas. Est-ce qu'il faut que nous amenions un médecin ? Quelque moi c'est Joey. Qui se chargera de vous trouver le nom. Oh putain de merde. Ça marche pas, je suis dégoûté. Ah, oh, non. Attendez deux secondes. Non, vous avez de l'espoir, Roger, je sais pas, moi je pour l'instant je pense passion, que nous n'obtiendrons rien de cet homme. Vous savez, de nombreuses personnes naissent, comment dire, avec des. Mais dites pas qu'elle est idiot, je vais péter un plomb. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous savez, il y en a qui naissent aveugles, il y en a qui naissent avec trois bras, mais et je m'entends lui, sur TS, wesh. Ouais. Et c'est une chance que l'Amérique accepte ces gens, ouais. Oui, tout à fait, mais l'Amérique prend toutes les chances. Ouais. Voilà, deux dans l'une peut-être pour le calmer. Ah, j'ai laissé tomber son chapeau. Mon chapeau. Très laid d'ailleurs. Mon chapeau. Oui, j'ai raison. Je suis bien laid. Oui, écoutez, vous n'avez pas envie de parler, monsieur. Nous ne sommes pas l'hospice. Hein, j'ai appuyé sur L, j'ai tout essayé. Oui, bah, laissons-nous bonne soeur. Je vais étrangler les gens, voilà. Voilà, je l'ai étranglé. Bah, ces gens quand même. Mais ça n'a pas de putain de sens, ils m'entendent sur TS. Attends. Je vais envoyer un message à Mbappé. Sur d'autres TS, on m'entend, mais là, on m'entend pas dans le jeu. Sur Steam, ton mic est bien pris en compte. Et toi, t'entends les gens, toi ? Hein ? Hein ? Ah ! Ah ! Et t'entends les gens, d'accord. Ah ! Ouais, c'est des beaux cris, là, ouais, je vois ça. T'as l'air très content d'être là. Ah oui, très content. Comment c'est quoi la touche pour être anglais, déjà ? Pourquoi tu peux me montrer ta config, t'as bien mis ton bon micro dans ton TS? Ouais, je viens d'essayer sur un autre TS justement. Là je suis parti sur un autre TS, j'ai parlé normal, il m'a entendu. Et là ça, je viens même de tester mon micro, le RP, non mais là c'est l'admin qui vient m'aider. Ah mais non, mais c'est que t'as... Attends, t'es sûr que t'es en 2-3-6 sur Salty Chat? En 2-3-6, je vais aller voir tout de suite, mais y a pas de soucis mon ami. Oh, ça a l'air incroyable, Zabi, ça a l'air incroyable. Regarde dans tes options, parce que je pense que tu l'as mis à jour, en fait. Ah ouais, merde. Et comment je le démets à jour? Faut que je désinstalle. Tout à l'heure, je te le dis, tu fais « Ouais, non, j'ai pas fait la mais mise je l'ai... Mais non, mais ça avait... Je te jure, ça a échoué quand je l'ai fait. C'est dans quoi pour désinstaller un plugin? Oh, s'il te plaît, aide-moi. Ah, je vais trop m'amuser, je le sens là, j'ai un feeling. Vas-y, je vais te donner le dossier, bouge pas. Ouais, c'est bon, je vais te donner. Ouais, je pourrais faire comme ça. Je lui ruine sa vie. Attendez, je suis allé dans désinstaller.com. Salty chat. Non, les gars, je vais plier un classique là, je le sens. Là, y a pas sur désinstaller. Tu refais la pédata là. Putain, faut que je trouve la touche d'étranglement, ça va être mon attaque favorite. Ouais. Et tu vires... Pourcent, appdata, pourcent. Je suis un de ces geeks. Tu vires tout ce qui peut ressembler à ce que j'ai barré là. Oui chef, oui chef.
Sale chit chat, ok. Donc on voit, ok, ok, au calme, au calme, au calme. Les gars, attendez, on va s'en occuper. Roaming TS3, client. Oh, je suis un de ces geeks là. Ouh là là. Et puche. Après. Plugin. Sale chicha. Tu DL ça. Ignoré. Ah, mais vu qu'il y a TS d'ouvert, ok, bah attends, je dois fermer TS, mon pote. Salchicha, saltecha. Et après, je DL ça. Installe. Ok, ok, Mbap. Salchicha, c'est bon. Saltecha. Là, je relance Team Speak. Il va mourir jour 3. Les gars, je vais faire le mec qui... Je vais mourir 100 fois s'il faut. Il faut que je m'amuse. Il faut que je sois dans un bon bail et tout. La scène, fils de pute. Je peux pas montrer la scène parce qu'il y a ta grosse mère qui est en train de se faire déchirer sur la scène. C'est bon ou pas? Oui, monsieur. Monsieur. Oui. Vous m'entendez? Je vous entends, monsieur. Ah, mais vous m'entendez en dé... Enfin, dans votre cerveau. Vous m'entendez en retard, non, c'est ça? C'est tout bon, tu peux y aller. Oh, c'est excellent. Allez. Ah oui, monsieur. Ah oui. Allez, bon jeu. Comment... Attends. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien vous étrangler, mais je sais plus comment faire. Ah, bah... Si tu sais pas comment faire, du coup, m'étrangle pas. Non, mais j'aimerais juste re-savoir comment faire. Oh ah à l'aide ah oh tiens, qu'est-ce qu'il y a oh oh. Tu fais... Vas-y. Voilà. Ah ok, j'ai... Et après ah, si tu cours sur ta quelqu'un en faisant... Attends, merde. On lâche. Attends, ah, okay. Hop là. Tu peux le mettre au sol si tu cours sur quelqu'un en faisant... Ouais, j'ai ton chapeau. Adieu. Enculé. OMG, oh, je vais étrangler tout le monde. Bon, c'est parti les gars. Nouvelle aventure, Joey Kramer. Le plus grand voleur. Oh, j'ai un petit chat. Oh petit minou. Bang. Oh putain, je voulais le caresser, wesh. Les amis, je vais faire le roi des voleurs. Le roi de la vol. Pas le roi de la boue, le roi de la vol. Après, j'ai le droit de voler un cheval comme ça? Non, j'ai pas le droit, impossible. Y'a rien dans son cheval, dans son sac? Attends, mais y'a des gens qui vont mettre des trucs dans leur cheval et je peux les voler. Ah si, je peux le péter son cheval. Mais non, après ça, je sais pas si j'ai le droit. Ça, je sais pas si j'ai le droit, t'as vu, j'ai pas envie d'être un chien non plus. Quelque chose dans le sac? Oh, j'ai trouvé un truc là. Inventaire. J'ai 0 gold dans le... Ok. J'ai des pêches, de l'eau, la gazette. Et une arme. Ok. Victoria Free Station. Ok. Un lingot en légende. Mais non, j'ai pas ces armes, le nombre de lingots que t'as en fait. Sinon, il y aurait écrit un dessus. Oui, bonjour, je voudrais savoir si j'ai des messages. J'appuie. Ok. J'appuie sur ce bouton, très bien. J'ai parti mon message. Oh putain, désolé. Non mais en fait, si le risque, il est égal au gain, j'ai payé 20 balles. Mais non. Ah, il faut que je rentabilise. Mais les gens, ils vont jamais pouvoir me contacter. En plus, je leur ai même pas donné de point de contact.
Le jeu est trop beau, ouais. Le jeu est trop beau. Et les travaux de Red Dead. Oh putain, trouve un taf vite, Kamel. Mais c'est pas comme la GTRP, hein. Je pense pas qu'il y ait des bails de taf et tout. Je pense là, c'est des trucs à l'ancienne. Tu chasses. Y a pas de taf en mode tu vas travailler à la mairie. Épicerie générale. Y a pas une taverne. Théâtre. Théâtre. Wesh, y'a pas une taverne, genre un saloon. C'est là-bas que ça doit être. La bath house. Mais non, ça c'est pour se laver, je vais pas me laver moi. Épicerie boil. Si, OMG, c'est où frère? Je peux être barman, flic, etc. Moi les gars, je veux être un voleur, un hors-la-loi, un méchant. Je ferai des trucs barman et tout quand je m'emmerderai, t'as vu. Mais là, il y a trop de... Excusez-moi, vous seriez... Yeah, I'm looking for the saloon. Do you have any idea where I can find the saloon, please? Okay, now you are really starting to annoy me. Ok, c'est bon, ok, sorry. Bon frère, voilà, c'est quoi cette ville? Je pose des questions sympas et on me pisse dessus, moi. Saint-Denis Banque, je vais à la banque. Je fais un braquage avec mon couteau, OMG. Les gars, c'est trop beau, je m'en bats les couilles du RP. Oh putain, ça c'est un cheval que je peux gratter des trucs, ça. Et pourquoi je peux pas? Il l'a fermé. Wesh, oh! Pardon, on n'apprendit pas wesh. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Ah! C'est bon, frère! Ah! Oh. Wesh, Darma, il m'a reconnu. C'est parce qu'on là-bas, y'a que des nains. Ouais, tiens. Ah, y a ou à la limite, soir. Tu la donnes à ta sœur, hein, parce que je vais la fourrer ce soir. Elle va avoir chaud. Qui a dit que c'était pas drôle? Eh, c'est pas grave. Elle est sympa, ta sœur. Putain, alors ta mère, s'il reste comme option. Ah. Bon. Bah ta grand-mère alors. Du coup, il va falloir que tu y vas, du coup. Tu peux y aller. Tu peux manger ton ragoût en courant et en chantant « Vive l'Amérique ». Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va comme programme? Allez, va te faire foutre. Mais lâche-le, putain. Laisse-le partir. Il a le droit de répondre. Wesh, ils ont un gang. Il a bien dit. C'était une bonne blague. Tu le lâches. Dépêche-toi. Enlève-lui. Non. Dépêche-toi de lui enlever. Accepter notre offrande. J'ai pas de couteau de toute façon. Lâche-le. Il a bien répondu quand même. Excusez-moi monsieur, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait bien jouer à un jeu d'argent? Un jeu d'argent? Ouais. C'est quoi le jeu d'argent? Est-ce qu'il y a des joueurs ici? Alors je vais... Présente ton jeu. Ok, le jeu est très simple. On dirait un Mexicain lui aussi. Non, je suis pas Mexicain. Je m'appelle Joey. Le jeu est très enchanté, simple. Joey. Enchanté. Ouais. On doit choisir un chiffre, c'est en 1 contre 1. Donc admettons que je joue contre toi là en face de moi. On va choisir un chiffre et ça va jusqu'à 2. Donc soit 1, soit 2. La première manche, si je trouve le bon chiffre, tu dois me payer la mise qu'on a misée. Par contre, si je trouve pas, il y a une deuxième manche. Et si tu trouves le bon chiffre, je te paye la mise qu'on a misée. C'est simple ? Simple. Donc en gros, attendez, je résume. Toi, t'as deux chances de me baiser, et moi j'en ai qu'une. Non, c'est pas du tout ça. Non, carrément pas. Alors regarde, explique-moi. J'ai mal compris. On peut faire une partie test pour que tu comprennes. Je vais faire un décompte, et à la fin du décompte, tu vas devoir choisir entre 1 et 2. Si je trouve la bonne réponse, tu perds. Si je trouve la mauvaise réponse, tu as ta chance de gagner. J'ai pas compris. Ok, j'ai compris, c'est pas compliqué. Moi j'ai compris. On peut jouer. Vas-y, je mets $50. Vas-y, $50, ok, c'est parti. Vas-y. Alors. Il a un accent de mexicain, je rêve. Un accent mexicain? Attends. Tu t'appelles comment toi? Il est mexicain lui en face de moi. Comment tu t'appelles? Non, il s'appelle Terry. Moi?
Ouais. Je m'appelle Teddy. Ok, très bien. Vas-y, sommet les gars. Bon, attendez, messieurs, on va juste jouer vite fait, désolé de vous interrompre, et ensuite on vous reprend vos affaires. Allez. Allez-y, allez-y. Dès que je dis go, tu dois dire le chiffre, ok? 1, 2, 3... Ah non, c'est toi qui dois deviner, tu m'as dit. Bah oui, mais non, on doit deviner, on doit le dire en même temps. Ah, d'accord. Bah ouais, sinon... 1, 2, 3, go. 1. J'ai gagné. Bah non, mais attends, tu me baises. Tu me baises. Oh là là. Ah, les gars, vous... c'est toi qui as décidé de choisir le jeu. Maintenant, tu payes. Il y a plusieurs témoins là, donc j'ai gagné. On est d'accord. Ouais, moi, je pense que t'as. Moi, je pense que. Après, c'était une partie test. Ah, si, c'était une partie test. Non. Hey, écoute-moi, le Mexicain. Tu m'as dit que tu voulais 50 dollars. Je suppose. Attends, qu'est-ce qui a dit que j'étais au Mexicain? Tenez-moi, je suis désolé. Je vais te mettre une claque derrière la tête, tu vas voir. Qu'est-ce que j'entends là? Non. Oui, mais. Parce que j'ai joué, t'as perdu maintenant. Tu lui donnes. C'est 50 dollars. Ah si, c'est l'Amérique. Si, je vais lui donner, mais pas le compte. Très bien, il fallait pas ouvrir ta ruche alors dans ce cas-là. Son jeu est un peu bizarre. Donne tous les lacs. Les seigneurs. Les tolls. Hey, dis-moi comment. Toi qui es un fan pêcheur. Cette dame demande du l'aide, du secours. Quand on vient en l'aide. Elle cherche un endroit où elle peut pêcher. Attends, viens. Où elle peut pêcher. Oui, on va se faire. Il y a un tout ici. Elle a qu'à braquer une banque. Tu le mettrais là ton nom bien sûr, ton papier. Oui, bien sûr, je mettrai mon nom bien sur mon papier. Et mes 50 dollars. Si, attends, je te les donne. Ah, y'a pas de problème. Moi, je vous donne un petit bonus, monsieur. Oh, bah, c'est très sympa. S'il plaît. Ah, merci. Mais le bonus. Vous mettez au fond de votre gorge. Moi, il m'appelle Teddy. Teddy ? Ok, Teddy. Si. Et vous faites quoi ensemble là? Vous êtes un grand groupe là? Qu'est-ce que vous Bah, c'est en moins, je suis pas avec eux, je suis une mineure. Mineur, tu veux dire dans la mine ou. Si, dans la mine. Ah oui, ok, je pensais que tu étais mineur. Ah non, il travaille pas le matin. Parce que t'as quand même une belle moustache quand même. Ah si, mineur, d'accord. Si, t'as pas 4 ans. Toi. C'est, non, il n'y a pas 4 ans. Okay. Par contre, ton jeu, c'est un petit peu de la baise, hein. Bah non, on m'a joué, c'était fermé. Bah, hein. Vas-y, on les met 10 dollars, vas-y. Vas-y, 10 dollars. Et c'est, par contre, c'est moi qui compte, d'accord? Non. On va faire le décompte avec le monsieur au chapeau, là, comme ça. C'est impartial. D'accord. Vas-y, au pire, attends, vas-y, Seigneur William, je vous laisse. Faites un décompte, 1, 2, 3, gros. Un décompte, c'est. D'accord. Ok, mais là, c'est toi qui as la main. Ça veut dire que si tu trouves, tu gagnes. Si tu trouves pas, je gagne, ok? Vas-y. Allez, monsieur. Monsieur le marchand. Monsieur Johnson. Johnson, pardon. Oui, allez-y, Johnson. 1, 2, 3, 2. J'ai gagné. Bah non, j'ai trouvé. Je m'en fous, c'est pas mon problème. J'aimerais bien savoir ce que vous êtes. Comment je l'ai baisé? Oh putain, oh je lui ai baisé, c'est mort. Tu bouges pas. Mets-toi face au mur. Oui, tout de suite, pas de problème. Mets-toi face au mur. Je bouge pas, je me mets face au mur. Tu regardes bien le mur. Oui, je regarde bien le mur. Tu regardes bien le mur. Je regarde bien le mur. Ok. T'as volé 10 dollars? J'ai pas volé 10 dollars, monsieur, j'avais gagné. Il voulait m'attaquer, monsieur Teddy. T'as gagné 10 dollars, tu m'as donné 20. Mais il m'a dit qu'il était mexicain, j'avais peur de lui. Allez. Mais donnez... Vous voulez faucher mon ami? C'est ça? Non, je voulais... Non. Tends-moi 20 dollars. Mais je peux le donner à votre ami directement? Non. Mais qui me dit que vous allez lui donner? Je suis son ami. Mais qui me dit... Je t'ai pas couru après pour rien. Bah oui, mais justement, est-ce que c'est pas une opportunité pour récupérer 20 dollars? Non. C'est une opportunité pour me faire 10 dollars et lui redonner ces 10 dollars. Je t'ai dit de bien regarder le mur. Oui, bah ok, je regarde le mur. 15 dollars alors. Rien du tout, tu me donnes 20 dollars, regarde le mur. Mais je les ai pas les 20 dollars, si je fais ça c'est pour payer ma caution, j'ai pas le choix. Ok, bah vas-y, donne 15 dollars. Pas de soucis, 15 dollars c'est bon, c'est réglé, je peux me retourner? Non, tu tends ta main derrière avec tes 15 dollars dans ta main. Putain, mais je peux pas faire ça, je vous vois pas. Si, tu peux, Je suis claustrophobe, s'il vous plaît, laissez-moi. J'en ai rien à faire, tu tournes, je te mets une balle. Ok, c'est je bon. Me tourne, je mets une balle, mais... Je suis pas armé. Arrête. À l'attaque. Okay. Il est là. Aïe. Oh merde.
Ouvre-toi. Oui, bonjour, j'attendais mon café, justement. Laissez-moi tranquille, putain, c'est que 5$. Non ! Ah ! Ah là, je t'ai attrapé ! Police, lâche-moi ! Oh putain de merde ! Allez, je vous en supplie, j'ai une famille à nourrir. Je peux servir, je peux servir. Vous faites pas de mal. Je vais être puni. Non, je... Ah oh. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est dégueulasse. Monsieur Johnson, vous allez le regretter, je vous le dis. Quand je vais sortir de là, je vais appeler mes hommes. Voilà. Je vais appeler mes hommes, je vais me venger. Moi, je vous mettrai dans de la merde. Bon. Allez, vous allez me suivre, monsieur. Oh putain, mais c'est bon, j'ai été puni là, c'est bon non? Ouais, c'est vrai que ça me paraît bon. Ah ouais, pff, oh, vous avez pas quelque prenez-le, chose. Prenez-le, il reste le fond du flacon quand même. Non, non, c'est pas. Allez le prendre. C'est dégueulasse, monsieur. Prenez-le sur vous. Non. Ça a des valeurs thérapeutiques. Bien sûr, mais pourquoi vous le prenez pas? Vous, je vous le laisse en tant que gentleman. Bah non. Partage pas la même culture. Ouais, bah moi non plus. On va le laisser ici. Je pense qu'il y a... Ah, mais si, je sais, il y a Larry, le... Vous savez, Larry. Il a perdu sa femme, ses enfants, dans un accident, et depuis, il vit dans la rue. On vit tous dans la rue, tu vois, mais lui, il s'en bat les couilles. On n'a plus rien à foutre. Et je pense qu'il va se régaler, c'est là, ouais, c'est à cet endroit qu'il crèche d'habitude. Je lui laisse pour lui. Vous appelez comment, vous, monsieur? Ah oui, Joey. Joey, Joey comment? Kramer. Et vous, c'est comment, Johnson? William Johnson. William Johnson. C'est Johnson ou William, votre prénom? William, mon prénom. Ok, Willy. Et tu fais quoi dans la vie à part... Pas Willy, William. Oui, mais j'aime bien donner des petits surnoms. Et tu fais quoi dans la vie à part récolter du sperme de cheval et le fournir aux habitants qui n'en veulent pas? Non, c'est des Mexicains qui me donnent ça. Et je le redonne aux Mexicains ou aux petits bougons comme toi. Mais je suis pas Mexicain, non? T'as un peu une tête de Mexicain, quand même. Non, je suis pas du tout Mexicain. En fait, t'as un croisement entre Chinois et Mexicain, en fait, c'est bizarre. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Je suis ni Mexicain, ni Chinois. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, je vous regarde de plus près. Bon. Vous avez pas un job pour moi? Quelque chose? Si vous voulez, au bord de Saint-Denis, ils recrutent des femmes à queue. Vous mettez une perruque et vous dansez là-bas. Je parlais de ce genre de job. Hein, ce genre de job? Bah, actuellement, il y a des pirates à rechercher. $3000 si vous voulez choper. Et on peut louer une arme quelque part? Attendez, mon bon monsieur. Ouais, je vais vous faire un petit cadeau de la maison, monsieur. Ah oui, ok, merci beaucoup. Et vous savez, on peut les trouver. Ce sperme de cheval. Et on peut les trouver où, ces pirates? Leur endroit, c'est Van Horn, leur lieu d'habitation. Mais vu que tout le monde les cherche, ils sont pas là-bas. Ah merde. Wow. Là, vous pouvez, là vous l'avez maintenant. Ah ouais? Vous voyez sur ma petite sacoche. Là vous enlevez la petite boucle là. Ah là. Ouais, c'est vrai. Bon, attendez, je vais essayer. Oh merde, désolé. Non, désolé. Je voulais essayer la crosse. Putain, fais chier. Désolé, monsieur William Johnson. Attendez, je vais vous donner des munitions. Ouais, mais c'est ça en fait, j'ai essayé de tirer et mon corps est parti avec l'arme. Mais pourquoi il me donne, je sais pas. Et vous travaillez avec qui, vous? Moi, je suis le maire d'Annesburg, c'est des gens qui travaillent pour moi. Vous êtes maire?
Ouais. Mais qui vous a élu? Bah, la population. Ah, mais ça marche pas. Wesh. Mais pourquoi? Pardon? Mais pourquoi? Pourquoi on m'a élu? Ouais. Bah, pour donner de la thune aux pauvres. Mais pourquoi vous êtes pas dans votre ville? Ah, parce que j'étais. On va dire en voyage d'affaires. Ok. Tenez, je vous ai donné un petit. Petite soupe, elles sont périmées un peu, mais bon. Ah, donc vous aidez les pauvres, c'est pour ça que vous m'avez aidé. Bah, vous avez un peu des trous de partout, quoi. Mais vous savez ce que vous faites avec ça? C'est pas très agréable. Vous savez que ça a des valeurs thérapeutiques? Oui, très bien, mais les gens sont pas forcément. Comment dire. Favorables à la consommation de ce produit, même si ça a des valeurs thérapeutiques et que ça vous rend plus beau, je sais pas ce que ça fait, mais... Vous devriez en mettre sur le visage. Oui, non, ça ira. Ça vous rendra un peu plus pâle. Merci beaucoup, monsieur. On se reverra peut-être un jour. Un jour. Achetez-vous un cheval, ça sera plus... Ça sera mieux pour vous échapper la prochaine fois. Ouais, ça coûte combien? À Saint-Denis. Un bon $200. Ah oui, bah... Ouais. Faut voir que je fasse beaucoup de jeux d'argent alors. Mmh. Mais si vous voulez braquer, Ouais. Si vous voulez braquer des personnes, allez sur Valentine. Ils sont riches là-bas. Ah ouais? Ok. En plus, ils aiment pas les mecs là-bas. Ok, je vais y aller alors. Je me trouve un allié là. Mais c'est quoi ce maire, frère? On est au western, mais vas-y, wesh. Ha! M'a dit, si tu veux braquer des gens, va à Valentine, là-bas, ils sont riches. Mais je pense pas que j'ai le droit de péter un cheval comme ça. Hein. Fais juste un tour, monsieur. Bonsoir. Merde, putain, arrête-toi. Oh, oui. Hi-ha. Bien, bonsoir, monsieur. Ouais, c'est à moi que vous parlez. Oh, attendez deux secondes, j'ai du mal à le manier, celui-là. Bien, bonsoir, monsieur. Bien, le bonsoir, monsieur. Faites quoi de beau en cette nuit En cette belle nuit, vous voulez dire? Oui, en cette nuit sommaire, c'est ce que je voulais dire, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, je me promène. Comme je n'ai pas de maison pour dormir, alors du coup, j'essaie de passer le temps, si vous voulez ce que je veux dire. Bon, monsieur, je sais pas pourquoi, mais je vous sens dans de sales affaires. Ah non, pas du tout, je viens d'arriver il y a même pas 2 jours. Ah ouais? Ouais, je suis vu, hein, j'ai 68 ans quand même. Bah, ça se voit. Ouais. Moi, je suis plus dans ces problèmes-là, quoi. Ça fait bien longtemps, hein. Oui. Vous êtes policier? Vous êtes quoi? Vous êtes marshal, monsieur? Non, je suis pas marshal. Je suis pas marchand. D'accord. Mais vous avez... Oh, Terry! Oh, merde. Je dois y aller, monsieur. Ah, j'ai déjà payé ma dette. Bonsoir, monsieur. Et voilà, vous parlez avec une voleur. Faites attention à vous, hein. Ah, merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez sauvé, alors. Non, lâchez-moi, j'en peux plus. Allez, ça t'a planté à voler les mauvaises personnes, je te le dis. Allez. Merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez sauvé. Oh non, putain, merde, même. Bonne chance à vous, hein, monsieur Joey. Mais aidez-moi, monsieur, vous m'avez dit l'heure que vous m'avez déjà puni. Si, vous êtes puni. Je crois pas. Allez, j'espère. Vous avez toi été puni où? Qui t'a puni? Le maire. Le maire de la ville. Amène-le. Ah si, il t'a fait quoi le maire de la ville? M'a mis ma tête. On s'en fout du maire de la ville. Ah si, oui, je vais te montrer un liquide encore plus bizarre. Ah ouais, non. Putain, mais qu'est-ce qu'elle va dire ma mère au Mexique? Ah, ta mère au Mexique? Parce que c'est au Mexicain en plus. Eh oui, on est frères, non? Ah non, je suis pas Mexicain, moi. Je suis tout sauf une Mexicaine. Comment tu dis frère au Mexique? Ah, j'ai une idée.
C'est des merdes. On va lui faire passer l'épreuve. Non, non. Si, on va lui faire. On va lui faire passer l'épreuve. S'il survit, il a le droit de s'en sortir. Ah bah. On est frères, non, dans l'autre pays, on est frères. Je te propose une épreuve. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah, tu es mexicain maintenant ? Non, je suis pas mexicain. Ah, pourquoi tu dis que c'est un frère alors que lui c'est un argentin ? Ah oui, un argentin. Alors, tu vois le Buenos Aires. Buenos Aires, tout le monde me connaît, à Buenos Aires, demande-le. Si, c'est bien. Allez, vas-y. Est-ce que tu vois le crocodile là-bas ? Là, déjà avant, j'ai pas envie que tu meules sans lien. Donc, tu vas me donner mes 50 dollars que tu m'as pris tout à l'heure, d'accord ? Non, attends, je te dois 10 dollars, pas 50. Non, si, je t'ai donné 50 dollars. Mais écoute, tu n'as pas le choix. Donc tu vas me rendre les 50 dollars que tu m'as pris et tu vas me donner les 10 dollars que tu me dois. Mais j'ai déjà dépensé les 50 dollars. Ah si ? T'es sûr ? Ah ! Bah je vais fouiller dans ta bourse. Non, me fouille pas. Prends ton fusil au pire. Alors, bah si, toi, plus 50 dollars, je vais prendre ton fusil. Oh putain. Alors ? Allez, bon, prends son fusil. Donne ton fusil, le fusil coûte 700 dollars. C'est ? Non, il non, pouvait, non. Il voulait te le prendre. Non, c'est mon fusil, je peux pas. C'est mon père qui me l'a donné. Mais alors, qu'on en a carré. Il m'en fout de ton père. Hermano, alors, hey. Non mais on n'est pas hermano, t'as bien compris, donc maintenant écoute-moi hermano, bien. Hermano, ah, tu vois il a dit hermano, il est mexicain lui aussi. Non moi je te dis, je te propose quelque chose. Arrête. Attends. Hey, lâche-moi. Moi je te propose quelque chose. De quoi lâche-moi, c'est toi qui décides maintenant. Non, Pablo. C'est bon, c'est bon. Pablo. Tu me voles et tu crois que je vais te laisser faire. Pablo, j'ai quelque chose à te proposer. Si. On lui fait passer l'épreuve, s'il réussit l'épreuve, c'est moi qui te paye. D'accord. S'il n'arrive pas à l'épreuve, c'est lui qui te paye. Ça vous va, monsieur Choué ? Ça me va, monsieur Pablo. Alors, vous allez. Comment tu m'as appelé ? Fusil par terre. Bah, il vous a appelé Pablo, c'est comme ça que vous appelez Pablo. Non, il m'appelle pas Pablo, il m'appelle Teddy. Teddy, écoute-moi, je vais envoyer un oiseau voyageur qui va dire à tout le monde que tu t'appelles Pablo. Si tu me relâches pas tout de suite. Mais t'es trop petit, tu peux pas m'attendre. Ouais. Ah, Choué. Non, je rigole. Ah, non, mais je peux te tirer une balle dans le pied aussi, toi veux. Ah, c'est bon, Teddy. T'en veux encore? Non, c'est bon, Teddy. Est-ce que t'en veux encore? Mais celui-là, je crois qu'il a pas compris. Non, il va me lendre mes dollars. Il va me lendre mes dollars et après, il va passer les plaies. Non, je passe le test. Non, tout le monde donne mes dollars là. C'est pas toi qui décide. Allez, tu enlèves ton fusil, tu sors juste ton couteau. Et dépêche-toi, il te plaît, viens. Tu vois le crocodile là-bas? Si, il y a un crocodile dans l'eau. Tu vas le tuer. Tu vas le tuer et le ramener à la peau. Mais je vais jamais réussir à le tuer. Eh bah tu te débrouilles, allez. Il y en a qui ont déjà réussi, il faut que tu sois vif. Il faut être très vif. Allez, on t'attend. Allez, on te regarde. À tous les entendre, ils t'appellent. Mais si les autres ils m'attaquent, vous venez m'aider, hein. Si, on va t'aider, allez, vas-y. Oh. Allez, vas-y. Si tu veux, il y en a un sur la terre ferme là-bas, c'est plus simple. Ah ouais, où ça ? Il est où ? Là-bas. Allez, on te regarde. En plus, il est Vostok celui-là. Allez, vas-y. Putain, je suis un homme. Allez, t'es un homme. Je suis un homme. Tu vas dire, en y allant, tu vas dire, je suis un homme et une voleuse. Et bien folle, hein. Ah, mais ça, y'a pas de problème. Allez, vas-y. Je suis un homme et un voleur. Oh Ah, à l'aide. Mais comment tu veux que je le batte, frère? Et ben voilà. Il a pas réussi le test. Tu n'as pas été assez vif. Il a pas réussi le test. Comment je le tue, frère? Ah, quel dommage. Du coup, il va falloir me payer, Seigneur Le Maire. Ouais. Non, bah. Attendez, on va attendre ici qu'il revienne. Ah si, attends. Mets-le pas dans l'eau, après. On va récupérer notre tunnel d'eau. Il va dire. Sinon, je peux appeler professeur Yuri. S'il a pas de sous, il se fait des sous en tant que cow-boy. Ah si, on peut peut-être l'amener au professeur Yuri. Il a pas réussi l'épreuve. Ah si, il a fourni l'épreuve. Bah tiens. L'épreuve du crocodile. Si, il va lui donner un truc à boire, il va se réveiller après. Voilà. Il est simplement un peu déchiqueté au niveau de sa jambe, c'est tout. Ah. Heureusement, il est pas mort.
heureusement qu'il est pas mort. Sinon, il aurait pas pu me rendre mes sous. Ah. Attends. Oh, cette odeur d'alligator, ça. Ils sont trop bêtes, il avait la même fusil que toi. Mmh. Il avait un très beau fusil sur lui. Ah bon? Ouais. Si, il a un calcano. On va peut-être le... Hein, la léger. Sur pied, c'est prendre... souffrance. Ouais. Ouais. Mettre un calcano. On a besoin en ce moment. Allez, je vais prendre donner un truc à boire. Hop. Bien à boire. Et en plus, c'est américano. Et voilà, dis donc. Bon, ça, c'était la première partie de l'épreuve. C'est la première partie. On va attendre qu'il se... C'était cool. Qui se réveille. Bah maintenant c'est la partie où il va l'alléger, hein, où il va le partie plus léger. Hein. Je sais pas ce qu'ils en pensent, mais c'est, ils pensent. Travaille pour eux, voilà. Mmh. Allez, tiens, plante ça, bois un peu, ça va aller mieux. Ah, très bien. Ah, il boit bien, c'est bien, il boit bien. Il boit aussi bien que je vais boire son calcano, c'est très bien. Papa. Ah. Oh là 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 là. On va appeler le professeur Yuri, il va faire bah, des expérimentations en fait, dans son laboratoire. Ce qui va se passer, c'est que s'il ne veut pas me donner ce qu'il veut, il va devoir le livrer au Marshall, parce que c'est une voleur. Et en plus de ça, c'est un Américano. Le professeur Yuri, il m'a demandé d'avoir un cobaye pour lui ouvrir la tête. Ah, c'est une cobaye. Et pour foutre, je sais pas, des herbes bizarres dedans, là, dans le crâne. Ça pourrait être intéressant. Et après, il referme le crâne. Ah, c'est sûr, ça pourrait être vraiment intéressant. Je pense qu'il pourrait faire ça. Hein. Bah, moi, je pense surtout que le seigneur, il s'est attaqué à la mauvaise personne. Ah, bah, il va beaucoup mieux, le seigneur. Il va beaucoup mieux. Oh, allez, deuxième épreuve, on va voir les loups. Oh, merde. Alors, maintenant, deuxième épreuve. Non, tu vas le lâcher ça. Ah, oui, ok. La deuxième épreuve maintenant, c'est toi le fusil que tu as mis par le tel tout à l'heure. Oui. C'est, tu vas le ramasser. Oui. Viens, on va aller le ramasser à deux. Oui. Et tu sais ce que ça s'appelle une excuse? Non. Tu sais pas ce que c'est une excuse? Non, c'est quoi cette épreuve? Alors, une excuse, en fait, c'est quand on dit je m'excuse d'avoir volé l'argent et on donne l'arme. Je m'excuse d'avoir volé l'argent et je donne l'argent. Non, l'arme. Quelle arme? L'arme que tu as posée par le tête tout à l'heure. Non, mais je veux travailler, j'en ai besoin pour travailler. Ah si, tu travailles dans quoi? Je travaille... Dans l'arnaque. Dans le vol. Oui, c'est vrai, je suis un voleur. Ah si, tu es une voleur, donc tu voles les gens en faisant des jeux, donc tu n'as pas besoin d'une arme. Donc et ton non, arme... Mais, non, mais... Non, mais il n'y a pas de nom, mais... Non, mais dans la ville... C'est. Non, mais j'en ai... Non. Monsieur le maire, dites-leur que ce pistolet vient de mon père. Je peux pas le donner. Donne-le, je t'en donnerai un autre. Ok, oui, très bien, je vous le donne alors. Mon père, je l'ai jamais aimé de toute façon. C'est bah, il préfère. Et vous cherchez des gens de l'arnaquer, attends, si, il le cherche des gens, attends. Il le cherche des gens comme toi. Ah oui, pour faire quoi? Si, des petits voleurs. Ouais, ça c'est. Bah, pour, bon. pour les alléger, tout simplement. Ah oui, ok, vous cherchez pas d'aide? De l'aide, pas une voleur, non, il n'y a pas d'aide, pas une voleur. Ah ouais, bah tu vas plus bouger là maintenant. Ah si? Non, je rigole, il est pas chargé. Ah si, il est pas chargé, donne ton âme. Oui, tu cherches trop, toi. Oui, tout de suite. Tu as des implantés tout autour de toi et tu vas faire encore le malin. C'était une blague. Tu veux que je te toue? Est-ce que tu veux que je te toue? Tu veux me toucher? Te touer? Me torcher? Oh, toi, c'est lui qui se l'est pris pour le toit. Non, c'est bon, je t'ai donné l'arme, et... Wow. Écoute-moi bien. Tirez pas, arrêtez de tirer. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu coules, alors je t'ai pas dit de couler, c'est moi qui te mets une balle dans la tête, t'as bien compris? Oh, arrêtez, j'ai trop mal, voilà, j'ai trop mal. C'est toi, t'as trop mal. Ça t'apprendra à voler les gens la prochaine fois que tu voles. Bah, oui, cache-toi. Oui, j'ai pas compris, pas monsieur. Pas très loin. T'as compris? Alors, maintenant, je vais te présenter la Gloss Belta. Est-ce que tu connais la Gloss Belta? Non, mais c'est bon, je t'ai donné l'arme, je me suis attaqué. Si, mais je vais juste te présenter la Gloss Belta. Oui, ok. Est-ce que tu connais la grosse Belta? Oui, je connais la grosse Belta. C'est qui la grosse Belta? C'est qui la grosse Belta? C'est qui? Si tu la connais? Mais moi, je sais pas. Je sais pas, en fait, j'ai menti. En fait, la grosse Belta, elle met beaucoup de louches sur ses lèvres, tu sais? Et elle fait des belles petites taches comme ça sur le visage. Toi, ouais. T'as fait un gros bisou, la grosse Belta. Ah oui, ok. C'est bon, t'as compris? Tu vas plus voler maintenant? Oui, je volerai plus. Et la prochaine fois que tu voles, je te coupe une main.
Ouais. D'accord, ouais. Très bien. Ok, on verra la prochaine fois alors. C'est si, on verra la prochaine fois. Arrêtez de tirer, il y a des gens qui passent sur le pont. Arrêtez de tirer. Comme toi dit, on verra bien la prochaine fois. Oui, Pablo, on verra la prochaine fois. C'est sauf que il m'appelle pas Pablo. Teddy, pardon. Teddy. C'est... Ouais, tu fais attention à toi. Hein. Tu fais attention à toi. Hein. Et toi, Raymond Cluc, en plus, lui, c'était le maire. Ah, c'est pas le maire? Bah non, c'est pas le maire. Comme si il nous mêle, il va faire ça. Bah, on sait jamais, hein. Ah, c'est... Tu fais attention à toi, hein. C'est. La prochaine fois que je te trouve, hein, tu vas voir. C'est, comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Joey. Joey comment? Kramer. Joey Kramer. Ouais. D'accord. Tu fais attention à toi, hein, tu verras. Bah si un jour je te le croise et que tu sais t'excuser comme il faut, je te rendrai peut-être ton alma. Ah oui, c'est vrai ça? Si, peut-être. Ok. Je m'excuse, monsieur, je m'excuse, Teddy. Pour ce que j'ai fait, je voulais pas te voler toi, mais c'est tombé sur toi. Si, mais la prochaine fois, tu feras tomber sur les bonnes personnes. C'est bon, on s'écarte un peu de lui, c'est bon. Oui, c'est vrai. Allez. C'est la respirer, c'est bon. C'est adios, señor. Allez. Au revoir, monsieur Joey. Comment, Kramer? Kramer, oui. Et vous, c'est comment, monsieur le barbu? Pas besoin de savoir mon nom. Sache juste que je tire plus vite que mon ombre, ça suffit. Des gens arrivent, des gens arrivent. Allez, bah, ça arrive, des gens arrivent. Putain, j'ai plus rien. Ah, putain. Bonne journée. Et le pistolet, vous a dit que vous allez me le rendre. Regardez. Oh non, je voulais l'autre pistolet, moi. C'est pas juste. Je vais tirer plus vite que mon ombre, les gars, c'est moi qui tire. Putain, fais chier! Il me faut des amis! Au moins, j'ai quelqu'un à tuer là. Pablo. Ah ouais, c'est vrai, j'ai encore beaucoup d'argent. Au final, j'ai rien perdu, hein. Va chasser les pirates là, mais frère, j'ai aucune information sur les pirates. Je pense que je me casse d'ici, cette ville elle est pas faite pour moi. Ah ouais, bizarre. Braque le premier gars que tu vois, ouais, on va faire ça. Mais il me faut un allié, il me faut un clochard d'allié. Faut que je trouve un cheval déjà. Je vais aller voir ça coûte combien à l'écurie, parce que l'autre il n'a fait que de bâtir. Ça se trouve ça coûte pas si cher que ça. Je vais fonder un groupe les gars. Je vais fonder un groupe. Un groupe de quoi? Un groupe de bandits. Je vais recruter tous les clochards que je trouve. Tous les petites merdes. Les petites frappes. Et je vais les recruter avec moi. Les rats. Ah, il me faut un géant. Là. Wesh, il se passe quoi? Ah, mais je savais que je l'avais fait tomber ici, mon chapeau, putain. Ah, c'est bon. Il a mis une selle à son ganasson. Elle est en train de le faire. Oui, bonne journée à vous, messieurs. Et bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Oui, excellent. Vous avez comme couleur ou quoi? Non, je crois que c'est juste la forme de comment il a, je crois. D'accord. Bonsoir, bonjour, pardon. Bonsoir. Ouais, bonjour, ouais. C'est bon.
Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. C'est tout bon? Ouais, c'est bon pour moi. Alors, je... Faut dire à Terry... Jerry, pardon, de faire la même chose. À qui? Oh putain, il a un groupe quand même. Je vais me faire... Je suis mort, voilà. Je vais devoir apprendre à conduire un cheval. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais je suis à la recherche d'obtention d'un étalon, justement, et je cherchais quelqu'un pour en obtenir un. Hein. Vous savez à qui je vais m'adresser? Ah, au palefrenier qui travaille ici. Un vendeur de cheval. Oui, exactement, mais où se trouve le palefrenier, justement, c'est ce que je me demandais en arrivant ici. Et je ne trouve pas de palefrenier, c'est peut-être vous le palefrenier, non, monsieur? Non, on n'est pas palefrenier, non. Envoyez un télégramme directement pour demander si y en a un qui est disponible. Ah oui, oui, voilà. Vous voyez, le problème avec les télégrammes, c'est que ça coûte des dollars. Et ça... Ouais, je me doute. Vous pouvez en envoyer un pour moi? Ça serait vraiment aimable. Ce serait aimable, hein, disons qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, pourquoi vous avez quelque chose à faire? C'est possible. Ah ouais, vous auriez besoin d'hommes? Je pense que comme vous le voyez, on est assez. Oh, on est jamais assez, hein, vous savez, une paire de mains en plus, ça peut toujours servir. Non, ça va aller. Monsieur, vous croyez bien que nous on se connaît pas. Nous avons pas élevé les... Oui, bien sûr, ensemble, mais vous allez pas faire partie des nôtres, bien sûr. Nous sommes une famille. Je pensais que vous alliez faire un déménagement ou quelque chose comme ça, c'est pour ça que je voulais aider, moi. Non, du tout. Déménageur. C'est vrai qu'on a l'air de déménageur. Un déménagement? Ouais. C'est quoi ça, un déménagement? Ouais. Moi, quand je suis. Du coup, sur ce, monsieur, je vais les déménager. Oui, bon déménagement à vous, messieurs. Allez, c'est bien, mon cher ami. Vous me direz comment s'est passé votre déménagement. excusez-moi, vous êtes pas le frenier? Non, vraiment pas. Ah merde. Venez avec moi. Attends, mais c'est quoi Morgan? Mangui, c'est quoi cette merde? Un âne. Oh là 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 là. Oh les gars, je vais être le chevalier d'âne. Ça va vite un âne. Prends une mule. C'est mon style, frère. Arrêtez-vous, un moment, arrêtez-vous. Stop. Nous allons prendre des passagers ici. Elle est où ma mule? Petite mule! Ma mule! Non, j'ai encore mes 75 balles. Pas. Votre soirée. Ah, je pense qu'il faut, il doit être obligé d'être là, non? Ça a l'air facile, non? Mais une mule, on dirait un cheval, frère. Ouais. Oui, intéressant, oui. Pas de rebondissement, tout ce que vous me racontez. Non, je peux pas le prendre. J'ai confirmé. Attends, les gars, j'ai confirmé tout à l'heure. J'arrive. Ah, ça va bien. Ah ouais, ça va. Attention, vite, le train, je veux pas rater le train. Il part là? Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, je crois qu'il va à Rhodes puis Valentine. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, on va faire un petit passage à Rhodes. Ah bah ouais, on pourrait faire ça. Alors après, par contre, c'est pas sûr qu'on monte à Valentine, hein. Oui, c'est une chance sur deux. Ouais, moi je pense qu'on va plutôt faire le grand tour et qu'on va repasser à Nesburg, Van Horn et après c'est... Oui. On croyait pas qu'il fait la boucle? Ah non.
Ah bah c'est à votre guise, hein, ouais, c'est votre cheval, c'est pas le mien. Ah bah donnez-le vous, hein, c'est vos affaires, c'est pas les miennes, hein, j'ai pas envie de mettre les mains là-dedans. Vous donnez les chevaux entre amis, bah, dites-moi, le train est... Ouais. Vous aviez une question, monsieur, mais je l'ai pas entendu. Hein. Il est fonctionnel, le train. Ah bien sûr, bien sûr, comment vous pensez qu'il est arrivé là? Bah je sais pas, je... Qu'on l'a pas amené par bateau. Là on va faire un petit tour à Rhodes, et après on va remonter je pense vers Annesburg après, mais c'est un petit peu. Ah bah je peux monter, monsieur. Ah bah monter, monter, hein, profitez. C'est con, vous allez où comme ça? Moi je voulais faire un petit tour. C'est fort agréable. Pas même le grand tour. Juste éviter les tunnels et les branches. Ouais. Pas de problème. Dit, bah moi je me mets dans le wagon. Ah oui, bah en fait, il y a plein de gens. Parfait. Merci, bon. Monsieur, je vais monter. Ah bah, faites monter devant, parce que bon, derrière, c'est un peu triste avec les gens. Ah bon. Oui, il y en a un petit peu, allez, là, en première déjà. Classe, quand même. Hein. Ouais. Comment bon, ça va? Ça, c'est du train, ça roule comme jamais. Hein. On va faire monter 30 personnes. Pas oublier de contrôler les tickets, hein. Des amendes, si ça n'a pas payé son ticket, c'est connerie. Hein. Comment il s'est pas payé, hein? Oui, mais vous êtes un vétéran, monsieur. Mais c'est vrai. Oui, moi aussi, mon père. Ah oui, vous êtes un mineur, monsieur. Oui. Bonsoir, mes bras, vous avez payé vos tickets? Ouais. Bah, non, j'ai pas de ticket, on m'a dit que c'était bon. Ah oui, mais pour les vétérans, c'est gratuit. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Ah oui, bah, très bien, bah, formidable. Bah, écoutez, nous partons dans deux minutes. On a tout le monde là? Rogers, nous partons dans 2 minutes. Oui, on va faire quoi? Il y aurait un retardataire ou deux. Tiens, regardez comment ma belle tenue blanche est toute noire maintenant. Bonsoir, mon brave. Les vétérans, c'est moi. Ouais. Moi je vais m'asseoir. Oui, bonsoir, monsieur le vétéran. Installez-vous, monsieur le vétéran. Entre vétéran, vous êtes installé. Voilà, j'ai un saillot. Vous avez besoin d'aller à route, monsieur? Oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, monsieur. Elle a mal supporté le voyage. Je disais du coup, excusez-moi, rebonsoir. Je passe juste à l'épicerie me ravitailler et j'arrive. Vous pouvez m'attendre ou pas? Bah, on vous ravitaillera à Rose. Faites très très vite. Je fais vite. J'arrive. Et pourquoi avez-vous besoin? J'en ai pour 2 minutes. Ouais, on part sans lui. Pardon, il y a une bagarre. Bonsoir, monsieur. Que se passe-t-il, mes braves? Attendez, monsieur. Eh. Oh, bonsoir. Qu'est-ce que ça fait, cette étape, là? Mais que faites-vous à cette brave dame, voyons? Sacrée manière de régler vos affaires. Réglez ça à votre domicile, mais pas ici, en place publique. L'Amérique regarde partout, sauf dans vos chambres, messieurs. Bah oui, voilà, tout à fait. Ah oui. Bon, très bien. C'est terrible. Bah peut-être un rôle si vous montez dans le train. Hein. Ah bonjour monsieur. J'arrive pas à m'asseoir, c'est habillé. Ouais très bien, bah occupez-vous-en. Ouais. Mais lâchez-la. Non vous êtes pas. Ouais, on va se préparer à y aller là. Personne dans mes souvenirs. Qui avait disparu du jour au lendemain. Allez, récupérez votre chapeau. Très bien. Bon, en tout cas enchanté monsieur Stanislas. Essayez à vous hein. Vous allez tomber. Hop. Attendez, j'ai du mal à remonter. Faites un effort, Montgomery, quand même. Pardon? Attendez juste un instant, on va voir si le brave homme qui est parti faire un aller-retour arrive. Ah oui. Il serait très déçu de louper le train, j'imagine. Pour le clic molette. Ouais, je pense. Monsieur, faites attention, vous avez fait tomber votre chiffon par terre. Ah, très sale. Ah, il arrive. Très bien. Non, c'est pas. Ah non, il y a d'autres gens qui arrivent. Que les gens sont sales, bêtes et indisciplinés dans cette ville. Regardez comment on va faire cavaler un peu les gens là, Montgomery. Oh bordel, c'est quand qu'on démarre? Moi j'ai rendez-vous à Rhodes. On se croit qu'on part bientôt là. Alors, Marc, attendez, je m'en rapproche. Je sais pas où est-ce qu'on prend un ticket. Oh non, putain. Si ça marche avec un ticket. Bonsoir, messieurs, vous voulez monter à bord du train? Bah, si, bien sûr. Très bien. Est-ce que vous êtes d'anciens vétérans? Yosumi, on n'entend rien avec tous ces gens qui crient, hein. Pablo, ferme ta bouche. Je vais pas faire, ça part, dépêchez-vous. Mais si vous êtes vétéran, vous pouvez monter gratuitement, sinon c'est 5 dollars. C'est mieux de payer pour tout le monde. Très bien, je vous en prie. Dépêchez-vous, le train va partir. C'est... J'espère que j'ai donné à la bonne personne. Très bien, vous pouvez monter, je vous en prie, mon brave. Ah bah tiens, on est bien ici. Nous ferons ça la prochaine fois. Bon bah on y va, mon Montgomery, hein. Très bien. Attendez, je vérifie, il y a personne sur la voie. Ah, il y a un cheval qui arrive, attendez un instant. Ah vas-y, démarre, Harry, wesh. Oui, c'est lui, c'est bon. Faut que j'achète un lasso, c'est ça qu'il me faut. Allez, partons!
On va partir à Rhodes, les gars. Saint-Denis ne m'a pas réussi. Et y'a un cheval qui nous suit. Y'a un maçon ici. Il nous suit, hein. Il sautera même s'il veut. Hein. Je vais dire de sauter. Merci, Eliantrope. Mais on va se mettre ici. Il faut un lasso, les gars, il faut un lasso. Ah bon, on est bien ici. Le jeu est trop beau, par contre. D'accord. Et vous l'aimez en bien ou mal? Ah si, c'est sûr. Si, pour le seul coup, c'est vraiment juger de nos actes. Si, c'est une botte. Il vous est arrivé quoi, votre blas, seigneur? Oh, vous avez fait la gueule? Ouais, ça marche, pas de problème, monsieur. Je vous laisse profiter du voyage. J'étais canonnier. Et bonjour, alors, monsieur. D'accord. Si, vous avez perdu votre blas, du coup. Ouais. D'accord. Est-ce que toutes ces personnes mal habillées, ça, elles pourraient me laisser passer, s'il vous plaît? Merci. Oui, très bien, monsieur. Vous pouvez passer. Merci bien. Beaucoup. Monsieur, je disais donc, je me fais vieux pour tout ça, dis donc. Bah tiens. Ah. Oh, on se fait tous vieux. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est quand même, une sacrée invention. J'ai vraiment eu de la chance. Ouais. Est-ce que vous êtes un ancien vétéran? Non, même pas. Ah bah écoutez, ça c'est 5 dollars pour le ticket de train. Non, c'est un ancien vétéran, je le connais. Ah bah non, il m'a répondu que non, c'est un homme honnête. J'ai confondu. Si, alors... C'est toi qui? À moi. Marshal Clarence Montgomery, bon moi. À moi-même. Je voulais le sauver et après comme ça, il me dit ouais, t'es mon pote. Drôle de manière de s'asseoir, monsieur. Marshall, c'est Sheriff Zarma. Ça sent mauvais par ici. Ok, c'est un PNJ, mais c'est pas un PNJ, c'est le mec qui fait que me casser les couilles depuis tout à l'heure. Ouais, monsieur, tout à l'heure, j'ai essayé de vous faire gagner 5 dollars. C'est ce que j'ai remarqué. Mais je vous avoue que vous avez l'air d'être super honnête, bah y'a pas de problème, hein, vous avez payé. Ouais, sur ça, je préfère être honnête par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Je respecte les anciens vétérans, c'est des gens qui méritent le respect. C'est tout en votre honneur, c'est monsieur comment ? Bien sûr. Moi, c'est monsieur News, mais tu peux m'appeler Oliver. Moi, c'est monsieur News et tu peux m'appeler Oliver. Ah, pourquoi il rigole le train. Ah, on mouette est où à vendre. Mouette à vendre. Ça fait des années que j'avais personne pas vu pour le mouette à vendre. Ok. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur Oliver? Oui. Moi je suis chasseur. Chasseur de primes ou chasseur de chasseurs? Non, chasseur. S'il vous plaît, messieurs. Ah, okay. Et vous Rien. Je chasse mes rêves. Allez, je suis chasseur aussi. Pas le temps de passer ma vie. Merde, c'est pas ici que vous devriez chasser la gazelle. Bon beauté, chérie, beauté. Où sommes-nous? Très bien. Personne veut des mouettes? Non, personne veut une mouette. Mais j'imagine. C'est 5 dollars par personne. Allez, pousse-toi avec ta mouette. En train de secouer. Oh, il est propre, mon arrêt, mon gars. Bah oui, monsieur Sidney, il a payé, beauté. C'est 5 dollars par personne, bon, bonjour, oui. Ouah, c'est bonjour, mon gars. Je vous laisse calculer. Je ne sais pas quoi. Mais pardon, hein. Ça fait cher derrière, j'ai pas vu ce qu'on doit faire. Bien. Merci de votre générosité. Sachez que la moitié des fonds sont versés à l'association des orphelins des marchands tombeaux au combat. Ouais, les anciens vétérans. Cette association. Oui, et des anciens vétérans. Vous pouvez goûter. C'est menteur. Et messieurs, dames, monsieur. Enfin messieurs surtout, bienvenue à bord de notre train. Je vous prie de prendre place. Nous allons bientôt partir. Prochain arrêt. C'est pas Valentine. Vous venez pas. Comment s'appelle ce train, monsieur? Quel est le nom de cette jolie machine? Un bug, là, Brand. Pardon? Quel est le nom de cette jolie machine, oui? Mais c'est le train des Marshalls, bon, bah. Ah bon? Qui est de couleur bleue de la Marshall Marshall Express. Le Marshall Express. Le Marshall Express. Oui, oui. Allez, prenez place, ne tombez pas, le train ne s'arrêtera pas.
Non, d'accord, monsieur. Tu veux quoi? Ils sont trop forts, par contre. Hein. Ça se voit qu'il y a que des vues. T'as personne qui a une petite pièce, là. Pardon, c'est pas ici. Moi, je veux bien une petite pièce, mon gars, s'il te plaît. Qui veut des ragoûts? Ragoûts gratuits. Ah, moi, je suis preneur du ragoût. Hein. Qui propose le ragoût là? Je m'appelle le Thierry Biri. Ouais, si tu donnes du ragoût, moi j'en veux bien. Faut que j'achète des députés. Ah, c'est incroyable! Oliver. Très belle barbe, monsieur. Oliver. Ouais. Ah, merci, merci. Et il est fait maison, j'espère. Ah, mais c'est le Yeti! Vas-y, laisse-moi m'asseoir. Bonsoir. Oh, merci beaucoup, mon gars, mon gars. Oliver, Oliver. Et assis-toi merci, là, bien. Assis-toi là, le Yeti. Viens à côté de moi, viens. Assis-toi. Vous êtes grand, bien. Monsieur. Bon, il faut tout ouvrir les personnes. Ah, moi non. 9, 10, 11, 12, vous avez à manger, monsieur? Oui, bien entendu que j'ai à manger, oui. Vous voulez, qu'est-ce que c'est ouais. C'est pas. Ouais, 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 t'imagines même pas ce qui m'est arrivé avant, Jeff. De quoi? Je ne dis pas que je tombe sur trois guignols, hein, écoute-moi bien. Je tombe sur trois guignols à Rhodes. Les deux, ils m'ont demandé mon porte-pièce. Ah bon? Ah ben c'est... Et tu sais ce que je leur ai fait? Ouais. Je leur ai explosé une bouteille de whisky à la tête. Quel gâchis. J'ai vu des mecs partir à fond de Rhodes, hein. Putain, bah, c'était, un long eux, manteau. C'était eux. C'est eux que j'aurais dû rejoindre, ces clochards. Okay. Moi je suis parti à Valentine's avec les autres, ils étaient pas là, du coup ben, je suis revenu. Le mec qui était pas content. Je suis tombé sur une femme de joie et j'étais obligé de m'arrêter. Ok, et après je t'ai entendu dans le train et du coup j'ai rien dit, par contre, hein, dites pas que vous m'avez entendu. Et bonjour, hein. Excusez-moi. Et bonjour, bonjour, monsieur, bonjour, bonjour. Ouais. Bonjour, bonjour, monsieur, bonjour. Ouais, salut. Ça fait beaucoup chaud, hein. Et toi alors, le Yeti, qu'est-ce que tu me racontes? Bah, comme je t'ai dit, je t'ai entendu parler vers le train, et du coup, ben. Je dis, bah, t'es dans le train, et j'ai vu le train partir, alors du coup, j'ai sauté. Mais le train, il va trop lentement, on pourrait y aller plus vite à pied, non? Comme une amour de jeunesse, j'ai sauté dans le train. Ouais. C'est où, Valentine? J'ai pas de ticket, quoi. On a encore tout ça. Je vais vraiment finir par te buter à toi. Hein. Tes potes, ils sont partis à Blackwater. Blackwater, oui. Ouais. Très bien. Bien fait. Bon, je voulais pas m'incruster, quoi. Non, c'est excuse, hein. Ah oui, il y a un tarif réduit pour les marchands. Ça peut être envisagé, effectivement. Eh bien, écoutez, je vais en discuter avec mes collègues, alors. D'accord, bah, moi, j'en parlerai à mon chef de parti, hein. Oui, c'est mon raid. Il est où, Oliver? Oui. Et là, j'ai loupé. Il y a du route là-bas ou pas? Oh putain de merde. Oh non. Oh putain. Oh putain, je crois qu'on est bien tombé là. Wow, 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 ça va pas? T'arrêtes de me taper, toi, mon gars. C'est la gueule à lui. Allez, vas-y, vas-y. Allez, le nain, tu peux le faire. Qui c'est le nain? Lui, en face, pas moi. Ah. Lâche-le. Mais pourquoi tu me fais ça, toi? Tu peux avec Eric Magret. C'est toi, tu m'as frappé. Je l'ai pas fait exprès. Ah merde, désolé. Je vais récupérer mon chapeau. Il est où, putain? Il est là, ton chapeau. Ouais, ouais. Mais toi, t'es avec qui, toi? Moi, je suis avec Railbury, moi. Hein, quoi? Moi, je suis Railbury, mon gars. Non, mais t'es avec qui? Comment ça, je suis avec qui? Moi, je suis avec Railbury. Railbury? Ouais, Railbury. Je vais monter avec toi? Vas-y, monte, mon gars. Au revoir, Valentine.
Parle-moi de ton groupe, les Hilberry. Mais non, les Hilberry, on est tous des frères et sœurs. On habite dans le Bayou. Ah, on braque des époques. T'as dirait de braquer quelqu'un avec moi? Bah, bien sûr, moi j'aime bien braquer les gens. Allez, vas-y, le premier combat, on le braque, ok? D'accord. Allez. Bon, moi, toujours, je demande d'abord une petite pièce, et puis s'il veut pas cher, la machette. Allez. Moi, j'ai un pistolet, moi. On m'a piqué le mien, parce que j'ai menacé le maire de route. T'inquiète pas, le maire de route, il peut rien pour attendre ce con-là. Ah ouais, on va le tuer. Même moi, je l'aime pas. Il m'a déjà pissé à la gueule. Le maire de route, t'as pissé à la gueule? Ouais. Comment c'est que ton nom, mon gars? C'est Joey. D'accord, Joey. Bon, moi, c'est Jerry. Jerry, ok. Tu connais un certain Teddy? Non, ça me dit rien, tu dis ça. Un Pablo? Oui, Pablo, je connais, oui. Ah, il est petite taille, un peu. Un peu oui, comme il m'a toi. Donné une petite pièce tout à l'heure, oui. Ah, et lui, il est très méchant, lui. Ah bon? Ah, ouais. Alors, si je le vois, faut le braquer. Ouais, faut le tuer, même. Faut bon, le faire quoi, saigner, faire il t'a souffrir. Fait quoi, mon gars? Il t'a fait quoi, mon gars? Je peux pas te dire ce qu'il m'a fait. Il m'a fait souffrir. Pleure pas, mon gars, pleure pas. On je va les braquer. Je pleure pas, il m'a fait souffrir. On va braquer, ça va te mettre bien. Je vais me venger, mais il a trop d'amis. Moi, j'ai pas d'amis. T'inquiète pas, nous, il bire et on braque tout le monde. Y'a ah pas ouais. peur. Hier, on a braqué des pirates. Ah ouais? Apparemment, ils sont recherchés, les pirates. Ouais, c'était hier que nous, on les avait pas trouvés aujourd'hui. Et il y a 3000 dollars sur leur tête, quelque chose comme ça, c'est énorme. Ouais, ça fait beaucoup de pièces, ça, oui. Tu veux qu'on aille chasser les pirates? Je crois qu'il y a personne, on a déjà cherché avec ma famille tout à l'heure. Ah merde. Mais je crois qu'à l'autre tout à l'heure, ils nous ont attrapé, hein, là. Ils étaient au moins 20 autour de lui, là, je me suis barré. Oh putain. Mais si Valentine, Jerry, je suis jamais venu. Oui, c'est Valentine, toi tu viens d'où, toi? De Saint-Denis, justement. Ah, tu viens de Saint-Denis, toi tu viens d'arriver peut-être? Ouais. Ah, d'accord. Il y a des choses à faire ici? Bah, quand il y a du monde, il y a quelqu'un. Ah, bah attends, mais. C'est que bonsoir, ça. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, petite dame. Bonsoir, l'arnaqueur. Tiens, on s'est vu tout à l'heure, non? Vous cherchez votre frère. Oui, cherchez mon frère, mais je l'ai trouvé. Billy, c'est ça? Vous l'avez oui, trouvé? Tout à fait, oui. C'est lui derrière vous? Non, c'est pas mon frère, ça c'est Joey. Ah, moi c'est Joey, madame. Ah, je vous connais pas, monsieur. Moi non plus, je vous connais pas. C'est vrai. Y'a qui ouais, dit, y'a personne ou quoi? Bon. Pourquoi y'a personne là-dedans? Bonne question. Vas-y, y'a des mots qui courent là-haut. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Bonne question. Bah alors, vous avez pas pris de bain, Lewis? Soir. Non. T'avais le prix? J'ai pas... Excusez-moi. J'ai pas les moyens. C'est ici qu'on... On peut faire des jeux d'argent ici? Des jeux d'argent? Ouais. Je n'ai jamais entendu ça dans la région. Ah merde. On peut en faire des atypiques. Vous sentez très bon. Hein. Je ne suis pas au courant de ce genre de choses, monsieur. Vous êtes joueur, monsieur? Je vais vous aider. Ah non, pas du tout, monsieur. Ils ont trop de flou avec leur tenue. C'est trop lourd, par contre, les micros quand, bon, quand les mecs sont enfermés dans une pièce. Vous êtes des frères ou quoi? On est des frères. Et vous, qui êtes c'est bizarre là, non, c'est juste que le micro il est étouffé parce qu'ils sont. Ah, j'ai rien, je savais pas que c'était un hôtel. Allez, vous en prie, votre arme. Oui, vous allez voir ce qu'il va prendre, le bateau. Mais c'est les déménageurs. Ah, ouais, c'est sûr. Ouais, mais je vous conseille pas, mon cher ami. Vous risquez de vous attirer des problèmes. Écoutez, si on cherche les bureaux, on fait la bagarre. Oh oui, mais bon, si vous faites usage des armes à feu, vous allez... Mais attendez, vous savez pas, il avait attrapé mon frère au lasso, il l'a fait tourner dans toute la ville, je voulais juste l'inviter. Hein. Oui, mais bon, ça vaut pas l'usage d'armes j'ai, à feu. J'ai tiré en rien, monsieur, c'était juste pour faire peur. Ah, ok. D'accord. Faites non, moi je me bats qu'avec la machette, monsieur. Ouais, et vous savez pas vous battre avec les poings? Oh si, je sais très bien me battre avec les poings, mais vous voyez, je suis pas très bien dans le poing, là. Ah ouais, je vois bien, vous avez un peu de la dernière bagarre, je l'ai gagné de très peu, là.
Ah, d'accord. Ah, ils ont trop de bien. Et vous êtes son frère, c'est ça? Non. Qui êtes-vous alors? Ah, on était ensemble dans le train et on s'est retrouvés à deux. Du coup, il m'a ramené à Valentine. Je suis son nouvel ami. Ok. Faire jouer. Et vous êtes qui, du coup? Parfait. Nous sommes la famille Williams. Ah, bah voilà, c'est ce que je dis. Vous êtes tous des frères. Tout à fait. Ah, vous êtes tous frères de sang? Cousin. Ouais, tous frères, cousins. Vous aussi, vous baisez entre vous? Ce que nous, on fait avec ma famille. Non, on fait pas ça. Non, pas. Non, nous, on est des Américains. Ouais, par contre, la mère, elle est allée, hein. Pardon. Qu'est-ce que vous insinuez, mon cher? Mais pourquoi? Et laisse donc ce petit monsieur tranquille, donc. Désolé. J'ai remarqué que ça veut souvent faire la bagarre autour de moi. On a compris que l'inceste était un sujet, comment dire. Bon, vous saurez un peu plus, je pense que. On aurait fait une bonne petite bagarre, ça fait du bien, de temps en temps. C'est vrai qu'ils sont tous en train d'endormir, la famille. Ah ouais, quelqu'un va se battre? Ouais, on veut tous se battre, ouais. On veut, voilà, tous cette envie. Bah, répétez-vous, allez, ben moi, je vais prendre mon frère John. John, occupe-toi de lui, vas-y. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est je voulais dire. Vas-y, va faire la bagarre. Allez, viens, on va faire la bagarre. Non, pas de la sorte. En dehors du saloon, monsieur. Ah, arrête, en dehors du saloon. En dehors du saloon, arrête. C'est pas grave. Le saloon, il a l'inconnu d'autre, mon cher ami. Ah là là, votre chapeau. Allez, sortez dehors, on va voir. Tu veux pas ramasser ton chapeau avant? Ouais, avancez déjà. Ah, il le ramassera après, y'a pas de problème. Moi, je suis pas en état de faire la bagarre, je t'ai dit, moi! Eh ouais, lâche mon cousin, toi. Les gars, c'est quoi là? Attendez deux secondes, je dois me préparer mentalement avant un combat. Avant un combat, je me prépare mentalement. On va laisser un combat entre les deux là. Les gars, c'est quoi les touches? Je suis à genoux, c'est quoi les touches? Le chapeau, il est un peu faible, on va dire. C'est quoi les touches? C'est quoi les touches? Je suis pas très en pompe, tiens. C'est quoi les touches pour esquiver? On va dire que j'ai déjà fait 5 bagarres aujourd'hui, ça fait beaucoup. Venez tous ici. Allez, c'est parti, vous étiez pas prêts, hein? Allez, John, vas-y, monte-lui. Super, t'as appris, vas-y. Allez, John. C'est ça. Attention, carton. Comment ça se passe? C'est pas juste dans le dos. Voilà, John, vas-y, dans une bagarre, il n'y a pas de règle, cher ami. Non! Allez! Non, lâche-le! Non! Putain, John, c'est quoi les tours de pi? John, pas comme ça, John. Il est un peu trop jeune. John, je crois que tu es plus. Je crois que je me suis bien maîtrisé. On va l'amener au docteur, le pauvre. Il est vraiment trop nul, celui-là. Je le pique. Il y a encore des volontaires. Ah, monsieur le docteur, bonjour. Où est-vous vous occuper de ce faible monsieur? Oh putain. Ah ben, vous avez pas duré longtemps. Pardon. Ah. Arrêtez de voler, c'est un réflexe. Aucun problème. C'est un réflexe, putain. Je connais pas les touches pour me battre, frère. Il m'a déraillé, wesh. Oh putain, il y avait de la boue dans mes lunettes, sinon je gagnais. Ah, ça va, le docteur l'a pris en charge. Allez, une petite bagarre avec mon frère. J'aime bien mon frère, c'est coriace. Ça, monsieur. Ah oui, ça va, c'est juste qu'il y avait de la boue dans mes lunettes. Hein, Écartez-vous. Oh là, allez Jerry, voilà Jerry, voilà Jerry, protège Jerry, vas-y, voilà, allez Jerry, putain tu fais casser la gueule, ça, voilà John, vas-y, il faut que tu protéges, je serai pas taper, regarde ça, voilà, vas-y John, montre-lui, voilà, allez Jerry, allez vas-y, décalez-vous, monsieur le faiblard, décalez-vous. Ah oui, pardon, désolé, je... Incroyable. Non, Jerry. John, tu ne vas pas recoucher. Voilà, Jerry. Voilà. Moi, j'ai essayé de bloquer avec le smash. Non, Jerry, putain. Deuxième victoire de mon grand. Allez, viens voir là, toi. Voilà. Ça, j'aime bien, toi. Allez, viens. Ok, il a encore plus. Non, mais moi, il a encore plus. Moi, il est match nul contre moi. Ah, il y a match nul. Bah, vas-y, il va s'occuper de toi encore une fois. Ah, non, c'est bon. Ah, c'est pas votre chapeau, ça, monsieur. Votre chapeau, il est là. Ah, ouais, je vais essayer. Ça me va plutôt bien, non?
Il est ici, il est dans le chapeau. Chapeau des Williams, non, non, ouais, tu n'as pas pourrait... le droit. Ah, ok, oui, ok, très bien. Et il est là, votre chapeau. C'est pas celui-ci. Ah, il est merde, là. Ok, il est là, juste là. Vous êtes sûr que c'est le mien? Okay. C'était potentiellement le mien, mais. Bah, bien joué à toi, Fuller. Hein, tu l'auras. Okay. Oui, une sacrée raclée. Hein. Oui. Oh, ils sont un peu faibles pour toi, je pense. J'aurais dû parier. Ouais, on aurait dû parier, ouais. Ah, c'est celui-là, voilà, mon chapeau. Il est où, mon frère? Mon petit bonhomme, ça va? Bah oui, j'ai un peu la tête qui tourne, mais ça va, ouais. Bon, parfait. J'aurais ma revanche quand je t'entraîne. Jerry. Incroyable. J'ai vu ton combat, je pense que tu pourrais peut-être te taper contre leur petite sœur. Non, mais personne te touche dans tous les gars. Une bagarre. Just espèce de con. Voilà. Allez, battez-vous. Oh merde, désolé. Aïe. Oh, mais arrêtez, putain. J'ai entendu bagarre, j'ai envie de dire. Ah ouais, désolé. Ouais, je suis là. C'est quoi ça? Vas-y, bois-le. Ouais, c'est bien, c'est la bonne guerre. Hop là, tiens. J'aime bien, moi, merci. Tiens. Tu fais ça. Bois-le, ça. Très bon, ça. Ah. Tu ne regardes pas ce qui se passe à l'intérieur, tu vois ça. Ouais, mais moi, j'en ai déjà pris plein de fois. On va recruter personne. Ah oui, c'est bon. Le sale boulot. Non. Alors, pas de sale boulot, non. Quel est ton nom? Moi, c'est Jerry. Jerry. Du coup, quel est votre nom, monsieur? Joey Kramer. Pardon? Jerry Kramer. Joey Kramer. Joey, ok. Ouais, Joey, c'est le monde. Oui. Parlez pour moi, allez-y. Je voulais bien vous dire. Je regarde sur ma carte. Ouais, vous avez l'air costaud, vous avez les bras bien. Bah, si vous voulez, on peut se battre. Allez, ben mon frère attend une correction là. Il a enchaîné deux. Vas-y, monsieur. Le combat, il a gagné. Je. Vous me surestimez. Celui qui perd, on va lui verser ce bidon là devant moi, sur la tête. Ah oui. Bah, je viens de combattre alors. Ça avait l'air d'être tout gluant. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça va, vous regardez quoi? Allez, vas-y. Travaille les côtes. Allez, John. Montre-lui ce que Père t'a appris. Allez. Allez, John. Il voilà. Il fait que de bloquer en face, frère. Et voilà. Voilà, je lui dis, c'est ce que je protège. Il y a un mec, il a mis les touches à un moment, c'est quoi les touches? Il a bien appris, John. Ah, il a bien pris la bonne école. Père lui en collait des bonnes. Ah, vous avez retrouvé votre chapeau, monsieur? Moi, je me redis qu'il se bat comme arrache, parce que nous, on se défend jamais avec lui, le pilier. Ah ouais, mais après, vous êtes débrouillé. C'est jusqu'à qu'il y en a qui tombent au sort vite. Ah, vous avez de la chance, les Williams, hein. Vous devriez aller prendre un bain, monsieur. Ouais. Mais pourquoi nous avons donc de la chance, mon cher ami? Parce que vous êtes en famille, vous travaillez ensemble, vous déplacez ensemble. Ah ben rien de mieux qu'une famille. Exactement. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Oh, mais je vous le souhaite aussi. Vous avez trouvé une petite famille avec le petit bonhomme là. Non, ma famille. Vous venez d'où, monsieur Jerry? Ma famille. Joey, Jerry, j'aime pas. Ah oui, non, c'est moi, Jerry. C'est des choses. Ah, c'est Jerry. Et vous, c'est Joey, c'est ça? Joey. Allez, John! Oula, le mineur, il en a une bonne! Oula! Oula! Le mineur, il. Du Mississippi. Mississippi. Ah bah, comme moi. Mais non, John! Oh! Non, John! Lâche-le! C'est une technique de l'achat. Non, le pauvre! Allez, rappelez-moi le docteur, celui-là aussi. Ah bah, super. Pour John, putain. Tenez, allez prendre donc un bain, monsieur. Non, mais monsieur, je n'accepte pas la charité. C'est non, juste que monsieur, je vous vois tout seul, il faut vraiment aller prendre un bain. Ok, c'est terrible. Au moins que vous laissiez vos vêtements... Moi, je mets une petite pièce, monsieur. À laver, quoi. Ah, mais... Ça va, Jerry? Premier truc qu'on m'a dit, c'est d'aller me laver, c'est une dinguerie, voilà. J'en ai marre de manger des crocodiles. C'est fermé, wesh. Ici, je crois, pour prendre un bain. Ah, je suis abattu. Si je m'en souviens bien, c'est elle. Oh, je suis une légende. Quoi? Non, juste laver, frère. Mais ça part pas là. Mais ça part pas là.
Les gars, ça part progressivement ou c'est Zarma Il est juste sale de base. Ah oui, c'est vrai, je suis con. T'as une maladie. Elle a marqué maudite là. Mais ça, je peux l'enlever ou pas après? Arrête, c'est bon, t'as donné tout ce que t'as maintenant. Arrête, donne-moi tout ce que t'as. Ah ouais, mais vas-y, abuse aussi. Ah, tout propre. Merci pour ce dégât. Bonsoir, monsieur. Ah, ça fait du bien de sentir bon. Ah bah voilà. Par contre, t'aurais pu laisser le chapeau à la madame. Hein. Bah c'est le mien celui-là. Ah merde. Ah, donc il était pas marrant. Il peut y retourner. Hein. Incroyable. Ouais, pardon, je Monsieur le mineur, vous travaillez dans quelle mine actuellement? La mine d'Annesberg, moi je suis le maire. Ah, vous êtes le maire? Ouais. Ah ben enchanté, monsieur le maire. Enchanté, vous êtes? Je suis James Williams. Hein. Tout ça, c'est ma famille. Ah d'accord, bah enchanté. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ah ben, je vous ai vu, je crois, tout à l'heure. Oui, on s'est vu. C'était vos hommes qui m'avaient arrêté, qui m'avaient braqué. Allez, au revoir, mon gars. Eh, la famille Williams, grand respect à vous. Vous êtes une très belle famille. Au revoir, mon gars. Et faites... Merci bien, respect à vous aussi. Faites attention à vous, les rues sont dangereuses. Ouais, on le sait. Et votre nom, déjà? Moi, c'est William Johnson. Mais Jerry, qu'est-ce que tu fais, putain? Tu restes à terre, tête de con. Ah, il part en courant. Jerry, bordel, faut qu'on braque quelqu'un. Et la famille Williams, ils ont l'air super riches. Mais t'as vu combien ils sont, t'es con, quoi. Ah, c'est vrai, mais il suffit qu'il y en ait un qui a épicé ou quoi, et on l'attrape, et bang, bang, bang. Ouais, puis après, ça va bang, bang, bang dans notre gueule, là. Bah non, ils nous retrouveront jamais. Parce que sinon, je sais pas où est-ce qu'on peut attraper du monde, là. Je connais un endroit où il y a beaucoup de passages. Allez, vas-y, on y va. Il est où ton cheval, là? Je sais pas, le vieux Samy, il est con, des fois. Il est là, le vieux Samy. Ah, le mien, il veut pas venir. Je vais t'emmener à un endroit, tu vois, c'est là où on braque tout le temps avec ma famille. Allez, on y va. Ça reste en troupe, ou tu verras. Jerry, tu serais prêt à quitter ta famille pour rejoindre une troupe? Ah, jamais je quitterai l'île Biri en baisant Trudeau. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai oublié. Ouais, jamais on quitte l'île. Si tu touches à l'île Biri, tu touches à tous les îles Biri, après il va t'arriver des bricoles. Parce que nous, on a le grand, parce qu'il est con, le grand mec, mais alors putain, qu'est-ce qu'il est costaud, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, compris. Je vais te montrer mon endroit préféré pour braquer tout le monde. Ah ouais, là, j'ai besoin de me faire du fric, là, putain. Bah après, si t'as de l'or, il y a des gens qui rachètent l'or, là. Ah ouais? Bah j'ai pas d'or, justement. Ah oui, t'as pas d'or. Jerry, je vais te dire c'est quoi mon rêve. C'est de trouver que des gens comme moi qui ont pas eu beaucoup de chance dans la vie et de les regrouper. Et ensuite, devenir des gens qui ont de la chance dans la vie. C'est ça que je veux. Bah tu vas en trouver plein, mon gars, y'en a plein des comme toi. Ah ouais? Ah oui, bah j'en ai crush tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire par des comme moi? Bah des gens qui se barrent tout seuls, qui cherchent du monde. Ah ok. J'en croise beaucoup, hein. Oh bah là, attention. T'inquiète pas, le vieux Samir a l'habitude. Oh, le micro de Camille est aussi bas. Ah ouais? C'est bas? Alors attends, faut que je me rappelle si exactement c'est par là, si c'est là. Vas-y, vas-y, t'inquiète. C'est sûr qu'il y a du passage, parce que là, je vois pas un loup. Il y a même pas du passage d'animaux ici. Moi je t'entends nickel, en vrai un peu. Ok, c'est parce que. Ok, je vais mettre mon micro comme ça alors. Ah, je crois que c'est un peu plus haut, ouais. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais ouais, bah reste, il y a plus grand monde là, tu sais, mon gars. Ah oui, c'est vrai. Que... Ah ouais. Bah là, tu viens en pleine journée, là, tu viens même à 20h, 22h, tu vois, ouais. Ça arrête pas de passer, tu vois. Putain.
Avec ma famille, on a attrapé au moins 7 personnes au moins de 5 minutes. Ah ouais. Et à Blackwater, il y a du monde, tu penses? J'y vais jamais à Blackwater. On y était une fois, on a capturé un homme, on a braqué, puis on est parti. T'as des armes sur toi, hormis ta machette? Non, ben, le shérif il m'a piqué mon pistolet. T'as des lassos? Ouais, j'ai un lasso. Ok, ça fera l'affaire. Je braque avec mon pistolet et tu la sonnes. Ça te va? Oui, si tu veux, mon gars. Tiens, je crois que c'est par là, oui. Ouais. Il est où? Normal, c'est une espèce de petit pont. Il y a tout le monde qui passe par là. Les voix dans le jeu, faut que je baisse le son du TS alors. Arrête, j'aime bien qu'ils soient forts comme ça, vous les entendez bien. Voilà, si, si. Valentine, Strawberry. Et c'est quoi Strawberry? C'est une autre ville, c'est une ville où il y a plein de vendeurs là-bas. Ah ouais, bah viens, on y va, c'est les vendeurs qu'on veut braquer. Ouais, mais là, c'est là, il y a personne, on peut y aller si tu veux, mais en général, c'est à Redou ou à Valentine le soir. À part si t'as quelque chose d'autre à faire. Vous avez déjà braqué une banque avec votre famille? Oui, on a braqué la banque de route. Et comment ça s'est passé? On a mis tout le monde tout nu, on les a obligés à chanter et à danser. Et les marchands, ils sont pas venus? Ils ont pas le temps d'arriver, on était déjà partis. Et bien sûr, hein, si on nous demande, c'est pas nous. Hein. Bien sûr, bien sûr. Toi, même ici, là. Ici, mon gars, il y a beaucoup de passages. Ah ouais, je vois les traces de pas. Ici, si tu te mets un petit peu dans les petits buissons là, bon, tu vas en attraper des gens. Ouais, ouais. Hop, coup de lasso en plein cheval. Oh, tu sais, nous, on y va frontal, hein, on y va en face. Hein. Ah ouais, ok. Nous, on va sur les gens, on dit, oh, tu t'arrêtes, s'il te plaît. T'as pas une petite pièce ou un petit truc à manger? S'il dit qu'il a pas, ben on l'a mis, coup de lasso. Et s'il vous donne? Bah, si on nous donne, on le lâche. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un petit truc à manger ou un petit pièce. Il a beaucoup d'argent sur lui. Eh bah écoute, il a ce qu'il a envie, le gars. Moi je sais pas s'il a beaucoup d'argent, je fouille pas. Ok. Après tu fais ce que tu veux, si tu veux te fouiller, tu me refouilles, moi je le fouille pas. Ah moi je fouille. Moi je veux tout prendre jusqu'à la dernière pièce. Oula, je pense pas que ce soit une très bonne idée là. Ah ouais, ok. Parce que si tu fais ça, les gens ils vont te causer des gros problèmes, tu vas pas faire plus de 2 jours. Hein. Ah alors, non, si tu en prends une petite pièce à gauche, une petite pièce à droite, ça peut vite monter. Par exemple, t'as combien d'argent, toi? Là, j'ai 60 dollars, mon gars. C'est tout? Bah oui, parce que j'achète à manger pour toute ma famille. Ah, t'es un monde, Jerry. Bah, il faut bien nourrir les Billy. On en a marre de manger crocodile. Bah, c'est loin, Strawberry. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu loin. Il y a encore Blackwater, c'est encore plus loin, hein. Ouais, faudrait que j'aille voir à Blackwater. Strawberry. Oui, il y a beaucoup de marchands ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? J'en ai aucune idée, mon gars. On va aller voir. En général, ils sont dans ce petit magasin là. Il est Ilberry, ouais, c'est ça. Merci, El Capitan. Ah non, il y a rien d'avoir personne là. Ah ouais. En général, tu veux quelque chose, tu viens ici, tu vas trouver tout ce que tu veux. Ok. Ah, donc on peut vendre ici, ok. Non, j'en ai pas. Tissu Lucio Americano de la Aliatar. Oh, mais il rien. What the fuck? Mais il a rien accompli. Après, je découvre là. Oh merde, demain j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous demain. Après, mon gars, si t'as besoin d'argent, tu peux travailler un petit peu avec le pétrole. Hein. Comment ça? Eh ben en fait, il y a un petit truc, tu peux avoir du pétrole et tu revends et ça vaut, tu gagnes un petit peu, je crois que tu gagnes 300 dollars par trajet, quoi.
Mais c'est où ça? Faut parler à qui? Alors attends, je vais t'expliquer. Regarde ta carte. Ok, je regarde. Est-ce que tu vois Armadillo tout à l'ouest? C'est une ville dans New Austin, Armadillo. Attends, je cherche. Tu regardes, c'est tout à l'ouest dans la carte. Ouais, je vois, je vois. D'accord, si tu regardes au-dessus, t'as une espèce de petit, ils ont fait une petite fleur, un petit peu comme un dessin. Si tu cliques, si tu regardes dessus, ouais, si tu regardes, il y a du pétrole dessus quelque part. Regarde bien. Il y a des petites fleurs. Ouais. Et ben en fait, là où tu vas chercher, ben, il te faut un cheval déjà. Hein. Ouais, ça c'est sûr, ça. Mais j'en vois rien sur la route. Alors, tu prends le cheval. Oh, tu remplis le cheval. Je crois que tu peux porter, ben, ça dépend le cheval combien il peut porter de kilos, mais je crois entre 40 et 60 kilos à peu près. Tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses. Dès que, t'as assez de... Dès que tu peux plus en ramasser, tu vas à Valentine, regarde à côté de Valentine. Attends, je vais te dire comment ça s'appelle. Ok, Valentine. Regarde Heartland Oldfield, à droite. Ouais, ouais, ouais. Vois, et bah ça, c'est l'usine de pétrole. Tu rentres dedans et tu raffines ton pétrole. Tu raffines, tu raffines, tu raffines. Une fois que tu as tout raffiné ton pétrole, même ce que tu as mis sur ton cheval, ouais. Tu vas à l'épicerie de Saint-Denis et tu vas tout te l'acheter. Je crois que c'est entre 200 et 300 dollars. Oh putain, ok. Ah, avec ouais, ça, t'en as pour une petite heure pour faire 300 dollars. Ah ouais, ça fait une belle trotte quand même. Hein. Oui, c'est vrai que ça fait un gros voyage. Ou alors, sinon, faut que tu ailles le Dillinger. Mais ils vont te demander 600 dollars. Sinon, faut quoi? Sinon, faut que tu trouves les Dillinger. C'est quoi les Dillinger? Les Dillinger, écoute mon gars, c'est une famille de riches de Saint-Denis. Okay. Ils contrôlent le tabac. Ok. En fait, tu vas vers eux, ils vont te demander 600 dollars pour faire une licence, et après, par voyage, tu gagnes 500 dollars. Bah, c'est rentable du coup. Oui, en deux voyages, t'as tout récupéré. Ouais, effectivement. Et le voyage, il est, comment dire ça va de... C'est de Rhodes jusqu'au Blackwater, c'est moins long. Ah ouais, ça va. Et tu peux faire ça autant que tu veux dans la semaine. Alors, je crois que c'est 3 par jour maximum, donc tu peux te faire 1500 par jour. Il faut que je trouve les Dillinger, c'est ça? Ouais, c'est ça, les Dillinger, ils sont tout le temps à Saint-Denis, c'est le maire. Et ils s'habillent comment? Bon, ils s'habillent comme des riches, c'est le maire. Il me faut combien? 300 dollars, c'est ça? 600 dollars, mais je crois que tu peux rembourser après ta première, je crois. Ah ouais, ils font des avances. Okay. Ouais, je crois bien, ouais, je suis pas sûr. Parce que tu sais, moi je travaille pas dans la vie, hein, mais je sais tout ça, oui. Salut Astral, ça vaut quoi? Bon écoute, moi je vais retourner vers Valentine aller dormir, je sais pas ce que tu comptes faire. Ouais, pareil, je vais aller dormir, je voulais juste me renseigner sur quelques plans, je reviendrai plus tôt demain. Et bah voilà, t'as le pétrole où t'as pas besoin de payer de licence, mais c'est un petit peu long. Ou t'as le tabac? Je vais aller faire du tabac, je crois. Mais demain, il faut que je commence à... Je t'ai parlé de mon rêve, déjà. Oui, de recruter du monde, oui. Ouais. Tous les malchanceux, et on va devenir chanceux. Oui, tu vas en trouver, puis t'inquiète pas, va. Je me fais pas de sang d'encre pour toi. Je pense que tu vas trouver ce que tu veux. Tu trouves que je suis charismatique? Eh ben écoute, moi je pense que tu pourras enlever des chances à ta cause. Ouais. Par contre, va falloir que tu t'améliores à la bagarre. Non, mais à la bagarre, à la main, je suis nul, mais au pistolet, personne peut me battre. Oh, j'en ai connu beaucoup qui ont dit ça, ils ont fini le crâne explosé, mon gars. Ouais, mais regarde. C'est pour ça que moi je fais que des combats que la machette. Moi je suis toujours là, hein. Il y en a eu quelques-uns qui sont venus avant toi, là. Ils sont tous périls. De toute façon, moi je vais retourner à Rhodes dans ces jours et je vais faire payer à ce mec, ce qu'il a fait à mon frère tout à l'heure. Ok. Et vous seriez prêt à payer combien si on arrive à battre le maire avec mon groupe? Oh, t'inquiète pas pour ça, les libérés ils font tout eux-mêmes. Hein. On n'a pas beaucoup d'argent, on fait tout nous-mêmes. Ah merde, putain. J'ai pas de groupe. Après, je crois que si tu veux, il y a les pirates. Hein. Si tu trouves les pirates, c'est 3000 dollars. Ouais, mais comment tu veux que je trouve les pirates? Je connais personne, je connais pas. Bah, je peux juste te dire que moi je les ai déjà vus. Hein, mais il s'appelle le Cortez, le chef. Et comment, il s'habille d'une manière différente? Oui, mais il s'habille comme des pirates. Il y en a qui portent un masque, il y en a qui portent un chapeau comme les pirates. Ils sont tous des. On les connaît assez bien quand même. Ok. Et pourquoi tout le monde les recherche? Bah, parce que c'est des bandits. Ils ont braqué la banque d'Euro d'après nous hier. Sauf que nous, on a juste fait danser les gens tout nus et alors eux, ils ont pris tout l'argent. Ah, vous avez pas pris d'argent quand vous avez braqué la banque? Bah non, on a dû prendre peut-être 10 dollars.
Vous êtes vraiment atypique, les Hillbinger. Ouais, ouais, des Hillbury, mon gars, Hillbury. Ah, des Hillbury, pardon. T'inquiète pas, mon gars. Nous, les Hillbury, on sait faire la bagarre, c'est tout ce qu'on sait faire. Ouais. Ah, c'est déjà ça, hein. Moi, je sais rien faire, tout ce que je sais faire. T'inquiète pas, mon gars, tu vas recruter du monde, j'en suis sûr. Ah, merci, merci, Jerry. Jerry, quand je serai au top du monde, je me souviendrai de toi. Ah d'accord, c'est très bien, merci beaucoup ça Joe, je te brille pas, je te brillerai pas non plus. Je te donnerai une petite pièce ou deux. Ah ça c'est très bien, nous tu as une petite pièce ou deux pour nourrir la famille, c'est très bien ça. Peut-être qu'un jour tu viendras avec nous, on braquerait une banque ensemble. Ah ouais, si un jour il y a quelque chose, tu me dis, moi je suis là. Hein. D'accord, Joe, c'est quoi ton famille, Joe? C'est Kramer. D'accord, Joe Kramer, eh bien, écoute, je te contacterai, je verrai avec la famille de Bill. Allez. Ah tiens, tu vois, il y a un petit hôtel, je vais aller prendre une chambre de force, je vais même pas payer. Ah, je pense que je vais payer, moi. Ah, c'est qui ça, là-bas? Ah ben, c'est le petit gamin, ça. Ça va, Urette? Oui, voyons, monsieur. Ah ben, je le connais, c'est le petit Urette. Le petit Billy. Ça va ou pas? Oui, ça va bien, vous. Je vais descendre. Ah. Et lui, c'est le petit quoi, lui? Le petit gamin, là, c'est le petit Billy Urette. Mais lui, je le connais pas près, le monsieur en blanc. Ah oui, je parlais pas de lui. Ah ben attends, c'est pas le Mexicain. Attention, faut que je mange pas les bouquets. Oui. Attention, monsieur Joe, reste pas trop derrière le cheval. Des fois, il met des coups de sabot dans la gueule. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh, bonsoir, monsieur. Ça va, le Mexicain? Vous êtes Mexicain? Ça va bien. Si, si. C'est quoi votre nom? Carlito. Ok, Carlito. Hey Carlito, t'as pas de petite chèque. Plus dur, McFly. Un petit truc à manger. Enchanté de jouer. Enchanté. Vous voulez quelque chose à manger, monsieur? Oui, je veux bien une petite pièce. Vous savez pas si la personne du saloon, elle est là? Non, je ne sais pas. Laisse-moi réfléchir. On l'a vu tout à l'heure. Après, elle est partie là-bas, là-bas. Non, elle est pas là. Ok. C'est quoi votre nom, monsieur? Nickel. C'est Joey. Moi, c'est le Jerry, moi. Voilà, Jerry. Merci pour ça, mon gamin. Goûtez à ça, c'est vous. Oh, désolé, désolé. Je vais t'apprendre les bonnes manières, moi, petit con. Hein. Ah, pas, non bah, c'est attention, ça. Eurette. Eurette, peut-être pas donner. Donne une petite pièce au monsieur, là. Non, non, donne à Jerry, il mérite plus que moi. Ah, moi, il m'a déjà donné le petit, là. Travaille avec qui, monsieur Carlito? Faites quoi dans la vie? Moi, il s'est tout seul, hein. Il s'est avec mon hermano, là. On est avec un moi, peu on en chasse. Ici, on chasse le puma, on chasse un peu les grizzlies et tout ça. Hein. Est-ce que ça vous dirait de chasser plutôt les hommes? Ça dépend, on parle de qui, hein, parce que quand il y a des risques, il faut les fonds avec qui suivent. Bah, s'il y a des risques, qui dit gros risque, qui dit énorme gain. On m'a toujours dit ça, moi. Ah, c'est vrai qu'on m'a toujours dit ça, mais bon, ici, avec les Américanos, c'est pas ouf, hein. De toute façon, vous avez rien à perdre, hein. En tant que Mexicain, ici, vous êtes fiché, hein. Ouais. Il y a qu'ici, entre guillemets, qu'on me tolère, plutôt. Ouais, j'ai vu un Mexicain à Saint-Denis, c'était pas joli ce qu'ils lui ont fait. Ouais, bah c'était moi. Re Mexica, voilà. Ça se mange, ça, Re Mexica. Eh bien, bonne celle-là. Et petit Urette, est-ce que tu crois que je pourrais manger un petit bout de Mexique? Ah, ils t'ont bien indiqué, hein. Effectivement. Non, ça. Non, ça se mange pas de Mexique. De toute façon, c'est la vengeance. C'est trop épicé. Ça vient avec le temps. Oui, ça vient avec le temps, oui. J'ai pas besoin de fanfaronner devant 6 personnes ou 7 personnes pour prouver que j'ai une grosse paire de couilles comme il a voulu le faire. Oui, c'est ça. Vas-y, fais voir tes couilles, vas-y. Arrête. Vas-y, montre-nous, là, je verrai pas tout. Non, je tiens pas de ce... Je vais récupérer, vas-y, montre-nous. Hop. Oh là là. Mexicain, ça cache toujours. Ah, tu me connais, hein. Attention. Bah, je te connais pas, moi, le Mexicain. Eh, le Mexicain, lâche ça tout de suite. Maman. Ah, Brasil, je crois que tu vas devoir lâcher, là. Jerry. Qu'est-ce qu'il y a, Joey? Arrête, tu vas pas faire ça à moi, Joey, quand même. Y'a rien, je voulais juste faire genre. Ah, Joey, t'as pas un petit truc à manger, là, parce que... Je te jure, j'ai trop faim. J'ai marché de Saint-Denis jusqu'ici, ouais. J'en peux plus. Là-bas, il y avait comment dire, il y avait quoi déjà? Il y avait une petite supérette qui donnait des choses gratuites. Tu l'as vu ou pas?
Là, juste là, là, non? Là-bas, là, là où je regarde. Tu l'as vu? Non, non, non. Bah, viens avec moi. Putain, je suis dégoûté. Merci, assez. Allez, Jerry, je vais me coucher, moi. Bonne nuit à toi. Allez, bonne nuit, Jerry. À bientôt, hein. On se reverra quand je serai le roi du monde, ok? Bah, bien sûr, je compte sur toi, hein. Bordel. Tu l'as croisé où, Jerry? Ici, là? Dans le train, dans le train. On est le train ensemble. T'étais dans... Putain. D'accord, pourquoi? Ah, il a pris le train, moi aussi, hein, mais il était tout derrière. Ah, je t'ai pas vu. Si, si. Ah, il y avait les autres, là, qui étaient à Saint-Denis, aussi. Lesquels? Tu les as vus ou pas? Certains... Ouais, un mec avec des cheveux longs qui ont des casques de mineurs, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, tu les aimes bien, eux? Allez, dis-moi, Disons qu'ils étaient mêlés à l'histoire de tout à l'heure, tu vois. Ça me plaît pas, ça. Ok. Bah, tu sais, le petit, là, il y en a un qui se fait appeler Teddy. Attends, viens avec moi, viens avec moi. Ouais, pardon, vas-y, viens. Merci, Dark Arba, pour les 7 mois. On va s'écarter des oreilles indiscrètes, ouais, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. On sait jamais. Si, du coup. Moi, je connais un mec qui s'appelle, entre guillemets, Terry. Oui, Terry. Attends. Il s'appelle Pablo, en réalité. Et il est comme toi. Tu te rends compte? Ouais. Et ça, je l'ai bien remarqué, ça. Il s'appelle Pablo, mais le problème, c'est qu'il n'est pas mexicain. Je le connais, ça va, je lui ai parlé, tu vois. Ouais, mais lui... On va dire que... Ça te dirait qu'on se le fasse? Lui et son équipe de mineurs de merde. Hein? Ils m'ont parlé, tu sais, d'un de leur business, là. C'est quoi leur business? Ils veulent faire un business sur Johannesburg, avec la mine, tout ça, tout ça. Ok. Est-ce que tu serais prêt à les infiltrer? On va dire que... Ah, moi je suis chaud, hein. On m'a déjà proposé de leur côté de venir un peu faire okay. boulot, tu vois, je sais où ils clèchent, déjà. Okay. Mais est-ce que tu veux travailler avec moi ou avec eux? Moi, ce que je te ça propose... Ça dépend ce que t'as proposé, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on travaille pas pour des gens, mais pour nous-mêmes. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas infiltrer leur petit réseau de minerais, je sais pas quoi, là. Tu vas travailler avec eux, faut qu'il te considère comme un frère. Ouais, faut qu'il me fasse confiance. Exactement, faut qu'il te fasse confiance. Et le jour J, toi, moi et notre groupe, hop, on retourne tout leur business une fois que tout est installé et on récupère les commandes de leur business et on est putain de riches. Ça te va? L'autre groupe, tu veux parler de quel groupe? C'est mon groupe à moi, mais en gros, t'es le deuxième membre. Tu me plais, toi. Écoute, dans la vie, il faut rêver. Si on reste là, ça va attendre, à travailler pour les gens, ça va jamais marcher pour nous. Mais t'inquiète pas, d'ici la fin de la semaine, on sera beaucoup. Hein. Enfin, une dizaine, je pense. Ouais, on sera peut-être encore deux ou encore trois, peut-être. Tu vois. Avec le... Après, les mineurs, ils sont trois. Hein. Il en faut encore 3-4 et c'est bon. Hein. Non, je pense pas qu'ils soient trois. Ah, je t'assure. Mano, j'ai... Ah ouais. J'ai déjà été, entre guillemets, là où il crèche. Non, mais c'est pas grave. Si c'est un peu plus que trop, je pense. Si on arrive à abattre la tête du groupe, alors tout le groupe est mort. Tu penses que c'est Pablo? Ouais, c'est Pablo, ouais. On est d'accord que c'est l'image qu'il veut donner. Ouais, ils m'ont maltraité, moi. J'ai envie de me venger. Mais j'ai pas envie de me venger. Ils m'ont maltraité aussi, tout à l'heure. Voilà, j'ai pas envie de me venger juste pour me venger parce qu'ils m'ont fait mal, c'est bon. C'est... On n'est plus des jeunes, tu vois. Donc là, tu m'as dit qu'ils ont un business. Laisse-les faire leur business. Laisse-les te faire confiance. Et si t'es chaud, tu t'allies à moi. On monte un groupe. On les baise. On récupère leur business. On récupère leur femme. Leur femme, carrément. Ouais, on récupère tout. Maman. N'oublie pas ce qu'ils t'ont fait. Tu veux les dépouiller, hein. Ouais, tout. Ouais. Disons, en fait, tu sais, c'est pas le fait de me prendre ma veste ou autre, tu vois. Ça, je m'en fous. C'est une veste. À la limite, okay. Ils veulent une veste. Vas-y, prends-la. Ah ouais, ça va. Moi, ils m'ont envoyé aux alligators. Donc, ça va. Chacun son. Ah ouais.
Bah après, je sais pas si Pablo, l'équipe de mineurs et l'autre, entre guillemets, qui a joué le malin, ils sont ensemble, tu vois. Bah, tout ce que mais disons que dans l'action, ils étaient ensemble et c'est un peu louche pour moi. Ah, peut-être qu'ils sont juste alliés, peut-être qu'ils ont juste des business ensemble, tu vois. Ouais, c'est juste un peu louche qu'ils soient acceptés là-bas alors qu'il n'y a pareil que moi, tu vois. Mm-hmm. Puis l'autre trou du cul qui s'en rend pas assez compte, ça me fait bien rire. Ah ouais. Bon, tu veux être le deuxième membre de notre groupe ? Écoute, non, je sais que comme ça. Non, mais je sais que comme ça. Ouais, laisse-moi un tout petit peu de temps, tu ouais, vois. Mais... histoire à ce qu'on se connaisse un peu. Bien sûr, mais après, on achètera tous des vestes et tout, et je te laisserai le choix des vestes si tu veux. On sera trop stylé, un peu comme la famille Williams. Je sais pas si tu les as vus. Si, si, elle les a vus un peu tout à l'heure. Ouais, voilà, tu j'étais vois. Au salon quand ils étaient pas envie, là-bas. T'as pas envie d'être un truc comme ça ? Si, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, tu vois. On aura tous la même tenue vestimentaire et tout. Et hop, on aura un business avec la mine. Et on sera putain de riches. Ouais, il y a déjà mon hermano qui est ici, tu vois. C'est qui ton hermano ? Il s'appelle Mike. Le nom de famille, tu le sauras un peu plus tard, tu vois. Bon, de toute façon, je vais vraiment faire son nom de famille. Non, non, c'est parce qu'on porte le même. C'est mon hermano, c'est mon sang, tu vois. C'est ton sang, hein. Si on se protège, hein, c'est la famille. Mais bon, moi, en tout cas, pour le moment, mon business, entre guillemets, c'est t'as la pas chasse, le choix, écoute-moi, t'as pas le choix. Comment ça, j'ai pas le choix? J'ai un business qui peut nous rapporter gros. Ah. Et gros pour acheter des armes. Mmh. T'as pas le choix. Soit tu me rejoins... Des armes comme ça? Non, 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 pas des armes de merde comme ça. Des fusils. Des longs canons. Ok, attends, bouge pas. Ok, je bouge pas. De ça. Ouais, ça, ouais. On est bien d'accord. Ouais, ils m'en ont volé un, les... salopards. En plus. Le putain de Pablo, ouais. Non, écoute-moi, j'ai un business... Tu sais quoi ? Regarde, moi, j'ai un business... Écoute. J'ai un putain vas-y, de business vas-y. Pour faire du fric. Vas-y. Tu m'entends ? J'ai un business vas-y. Pour faire du fric. Avec ce fric, on s'arme, on s'équipe, on arme tout le groupe, parce que toi, t'auras pas besoin d'être armé, vu que t'es déjà armé. On arme tout le groupe, et après, bang, 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 bang. Tu vois ce que je veux te dire? Et après, ça part en Far West, quoi. Et après, ça part en Far West. Écoute-moi, il n'y a personne qui t'accepte. Parce que t'es mexicain. C'est vrai, c'est vrai. Regarde l'autre, il est obligé de s'appeler Teddy ou Terry ou je sais pas comment il s'appelle. Toi, tu t'appelles Carlito. Et j'ai envie que tu sois fier de t'appeler Carlito. Dans notre groupe. Je suis déjà fier. Dans notre groupe, il n'y aura pas de honte. Et personne ne nous causera problème parce qu'on va se protéger entre nous. Voilà. Ok, ok. J'ai des ancêtres asiatiques. Mais je le dis à personne, tu vois. C'est la première personne à qui je le dis. Et j'en ai marre de le cacher. Okay. Ça me fait plaisir. Tu vois. Tu vois, on commence sur de bonnes bases, entre guillemets. Voilà. Ah, Joey, Joey. Ah, réfléchis. T'es venu ici comment, là ? Réfléchis. Ah, je suis venu ici à cheval. T'as un cheval, déjà ? Ah non, justement, j'ai beaucoup, j'ai fait trop de kilométrage avec lui et du coup, il a lâché un peu. Mais j'en ai... Non, mais... J'ai de quoi... J'ai un petit... Okay. Attends, j'ai un petit Kentucky, là, que j'utilise plus. Ah ouais, ok, parce que j'allais en acheter un tout à l'heure, mais pas le feutrier, il était pas là. Donc, je pouvais pas. Bon, après, c'est les chevaux, tu sais, les bas de gamme, hein. Que j'ai. Ouais, bah, c'est pas grave. Ce hein, que je peux te proposer. Si je te fais un prix, tu vois, ça, ouais. Ça me dérange pas, tu vois. 4 pattes, c'est 4 pattes, hein. Ok. Bah, au pire, on verra demain. Moi, je vais aller dormir, là. Vas-y, bah écoute, c'est comment, c'est Joey ? La nuit, Joey porte conseil, Joey Kramer. Ne m'oublie Joey pas, Kramer, Carlito. Attends, ne m'oublie tu pas. Peux me les plaît ? Joey space K-R-A-M-E-R. Joey Kramer, that's my name. Ok, ok. Bon, bah écoute, c'est Joey. Non, Joey Kramer, that's my name. Si, ça va.
Bah écoute, je te souhaite une agréable soirée. Ouais. On va réfléchir tous les deux à ça. Je suis vraiment heureux que tu aies rejoint notre équipe. On va trouver un nom aussi. Écoute, demain, vérifie tes télégrammes. Ouais, je vérifierai mes télégrammes sans faute. Et on verra quoi. Et dis à toi, Armano, qui peut nous rejoindre. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Mike. Ah oui, Mike, c'est vrai, j'ai déjà oublié. Alors que c'est notre on en parlera, je te le présenterai. Oui, c'est notre troisième membre en plus, donc Mike, c'est vrai. Faut que j'oublie. Ça va, ben, je te le présenterai alors. Allez, Carlito, bon. Et on va les baiser, ces mineurs de merde. Papa. Tu vas récupérer ton carcano, t'inquiète pas. Hop. Et ça va être notre mine, t'entends ? On va être trop riche. Allez, bon manos. On va être trop riche. Appuie sur U et tire avec ton gun. What the fuck, clip que contexte. J'ai dit quoi, wesh? Ah ouais, mais non, mais... Non, mais vas-y, s'il vous plaît, niquez vos mères. Non, mais vas-y, c'est bon. Ah, vous avez dépensé comme ça, vous êtes bizarres, les gars, franchement. On est dans Red Dead Redemption, là, on parle des mines. Ah ouais, putain. Oh, cowboy. Ouais. Doudou, mon grand. Vous avez besoin de leçons de conduite ? De conduite, dites-moi. Vous voulez que je vous apprenne à manier votre cheval ? Oh, que non, monsieur, vous inquiétez pas. Ah bah faites gaffe la prochaine fois, parce qu'il a failli. C'est juste qu'il y a un petit peu têtu. Mais... Ouais, je crois que c'est débat. J'en ai eu un comme ça. Ouais, ils sont têtus de temps en temps. Malheureusement, il a lâché trop de kilométrage. Enfin. Ah. Ouais. Ouais. Il était devenu trop vieux. Faites quoi dans la vie, monsieur ? Je crois que vous avez un arc. Pas grand chose, je suis trapier, monsieur. Trapier ? Ouais. Vous avez pas l'air heureux trapiste. D'être. Vous avez pas l'air heureux de faire de la trappe. Écoutez, ça paye pas vraiment. Hein. Ouais. Moi, j'ai un business bien plus lucratif que la trapperie. Ah bon ? Ouais. Dites-moi. Ah bah je sais pas si je peux vous le dire. C'est quoi, vous tapez dans des rochers, c'est ça ? En fait là. Chercher de l'or. Je suis en train de créer un groupe là. Ah. Ouais. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que je prends un peu tous les gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas de rêve, ouais. Qui n'ont pas d'espoir. Vous les prenez pour faire quoi ? Pour taper dans un caillou ? Des gens qui n'ont pas de chance, tu vois. Et je suis en train. Venez, on va boire un petit verre. Ouais, allez, allons-y. Vous. Allez. C'est votre tournée, hein ? Ah, je suis pas sûr, mais bon, allez-y. Vous avez l'air d'avoir des bons plans, je pense que vous êtes plus que moi, non ? Ah non, j'ai des bons plans, mais j'ai personne pour les accomplir. Ah, vous êtes tombé sur le bon cheval. Il n'y a pas de... personne ? Oh, c'est pas grave, vous savez, on peut juste discuter. Hein. Vous avez un... Ouais, venez, on va s'asseoir. Dites-moi tout. Oui, alors attendez deux secondes. Me mettre en face de vous. Et ce sera mieux pour discuter. Alors, comment est-ce que vous appelez déjà ? Je m'appelle Declan. Oh putain. Bon monsieur. Non mais c'est au saloon avant mon arrivée, c'est ça ? Non mais j'entends mieux de mon oreille gauche et du coup c'est une ah. Oui. Ah merde. Je raccroche. Ah putain. Je suis mort sa mère. En vrai, ça va, là, il y a 65 joueurs, dites-vous, là. 3h du mat.
Ah, c'est du destin, recrute-le pas, frérot. Tous ceux que je peux recruter, je dois les recruter. C'est quoi la capacité totale? 1000, mais c'est séparé entre régions, quoi. Tu peux pas avoir 1000 personnes dans un même truc, tu vois. Vous kiffez pour l'instant? Oh non, me dis pas, il est parti, Zubby. Mon ami! Ouais, dites-moi. Ah, désolé, j'ai dû aller aux toilettes. Ouais, y'a pas de soucis, j'ai eu, vous avez couru vers les toilettes. Ah. Je vous dis que vous êtes passé au salon avant moi. Ouais, ah, non, c'est juste que j'ai subi pas mal de choses aujourd'hui. J'en parlerai plus tard. Alors. Oh putain, ça recommence. Non, j'arrive pas à m'asseoir, je vais plutôt rester debout. Ouais, allez-y, on va discuter debout si vous voulez. Pas de soucis. Ah, pardon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Dites-moi tout. Quel est votre nom déjà? Parce que j'aime bien parler. Declan. Ok, Declan. Et vous? Moi, c'est Joey. Joey? Ouais. Et moi, en tant que Joey, j'ai un rêve. Dis-moi. Mon rêve, c'est de regrouper un groupe assez large de personnes comme moi. Comme vous. C'est-à-dire comme vous. Personnes lambda qui ont besoin de, tu vois, d'avoir besoin d'argent. Non, pas besoin d'avoir d'argent. Moi, j'ai besoin d'argent. Je me considère comme malchanceux. Je suis né du mauvais côté. Vous vous sentez pareil? Chanceux, ça dépend. Pourquoi? Pourquoi on serait malchanceux, dites-moi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Il y a des gens qui sont nés, ils sont plein aux as. Oui, mais... Ouais, je les appelle les chanceux. Les gens comme nous, je les appelle les malchanceux. Et les mon gens but... qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, une petite dent en or là dans la bouche. Là, on parle de la même personne, exactement. Effectivement, ceux-là... Alors moi, je les appelle les chanceux. Je les appelle les chanceux. Et moi, je me considère comme un malchanceux. Et mon but, c'est de faire un groupe de malchanceux et de les rendre chanceux, si tu vois ce que je veux dire. Donc, comment vous comptez les rendre chanceux, dites-moi? Vous savez, tout seul, j'ai pas bien peur. On allait voir les chanceux. Ouais. C'est comment votre nom, Joey? Joey comment, dites-moi? Joey Kramer. D'accord. Declan Morley. Declan, ok, Morley. Mais Declan, ça m'a dit. J'ai pas besoin de plus. Du coup, si vous voulez bien... Non, pas si vous voulez bien, pardon, je me suis trompé dans ma phrase. Si vous avez bien compris, je veux faire un groupe de gens un peu comme nous. Des gens qui ont la dalle. Des gens pour faire quoi, faim. Dites-moi tout. Pour faire un tas de choses. On fera des regroupements. Ce sera un groupe. Oui, ok, c'est moi qui le crée. Mais je serai pas le chef. Je veux pas qu'il y ait de chef. Ce sera un groupe où on prendra les décisions ensemble. On part tous la même marche. Il y aura un leader. Il y aura pas de chef. On part tous. Eh, pourquoi pas? Regardez, vous voyez cet escalier? On part tous de la première marche. Ici, c'est la marche des malchanceux. Et là, le but avec ce groupe. Montez tout. C'est d'arriver à cette marche, la marche des chanceux. Vous savez, c'est quoi votre problème? C'est quoi mon problème? C'est que vous visez pas le toit. Y a pas besoin de viser le toit. Et. Bah on visera le toit une fois qu'on sera chanceux. Il faut viser ce toit. Bien sûr, mais pour l'instant, on peut pas viser le toit. On n'a même pas passé à la deuxième marche. Pour le moment, on passe. On vise ici, là, à peu près, je pense. Ouais. Voilà. Exactement. Enfin, bref. Ouais. Du coup, est-ce que, monsieur Declan, est-ce que ça vous intéresserait de rejoindre mon groupe de malchanceux? Pour ce qui est de ce qu'on va faire, etc., une fois qu'on est nombreux et armés, ouais, là, je sais ce qu'on fera. Ouais, pourquoi pas? J'ai peut-être mon frère qui s'est intéressé aussi. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Oui, j'ai un frère. Ah ouais? J'ai peut-être mon frère qui s'est intéressé. Bah, ramène ton frère, c'est pas ce qu'il a à proposer. Déjà, j'ai de quoi faire un petit boulot pour tout le monde dès le début. Si on bosse bien, on pourra s'acheter de quoi s'équiper. C'est quoi ce petit boulot? Bah viens, on va en parler dehors. Ouais.
Écoute-moi bien, Declan. Dis-moi tout, Joey. Ce sera la seule fois de notre vie où on bossera pour quelqu'un. Tu m'entends, putain de merde? C'est la seule fois de notre vie où on bossera pour quelqu'un. On va bosser. J'espère bien. On bossera pour les chanceux parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'argent. On m'a dit qu'il y avait un business avec le tabac. Il faut payer 600 dollars pour avoir une licence. Et une fois que tu as cette licence, ça peut te rapporter jusqu'à 1500 par jour. Si on fait ça pendant 2 jours, j'ai fait les comptes, on pourra tous s'équiper en armes lourdes, en explosifs, en lasso. Attends, Joey. Quoi? Je veux pas te couper ton fantasme. Mais tu lui trouves ces 600 dollars par personne. T'inquiète pas, Declan, bordel. Je suis Joey, je pense à tout. Vu que ces gens sont très chanceux, eh bien ils s'en foutent de leur argent. Du coup, ils t'avancent leur licence. Si tu rembourses, après ta première fournée. C'est-à-dire que tu travailles une journée et t'es remboursé. T'es remboursé et avec des intérêts. Donc, vu que tu peux faire 1500 une journée, tu payes 600. Ce qui fait qu'il nous reste 900 dollars. Le lendemain, 1500. Et si on arrive à être... Ouais, je le trouverai demain. On me l'envoie par télégramme. Donc si on travaille 2 jours, on peut se faire des couilles en or. Et avec ces couilles en or, on peut s'acheter des équipements. Et avec ces équipements, on peut se refaire des couilles en or. Ça fait qu'on aurait 4 couilles chacun et toutes dorées. Je vais pas te mentir, je préfère garder mes 2 couilles, Mais pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Et ton frère, il s'appelle comment? Marius. C'est quoi ses points forts? Si tu veux donner ses qualités et ses défauts, pardon. Perspicace. Très perspicace. Ouais, c'est-à-dire qu'il casse pas les couilles, quoi. Ouais. Ok. Il est pas demandeur sur les questions, on va dire. Ouais, il comprend vite. Il y va, quoi. Il va où on demande d'aller. Bah c'est exactement ce qu'il nous faut comme type d'homme. Écoute-moi, Declan. Ouais, dis-moi. Si tu rejoins mon groupe, tu seras le leader, je pense. Non, pas de... Non, on a dit moi, pas chef, mais le leader. Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Je sais pas, t'as une aura qui émane de toi. T'as l'air d'être un leader. Moi, je serais le chercheur de plans. Je trouverais de quoi faire de l'argent, de quoi nourrir la troupe et de quoi nous déplacer et nous loger. Mais toi, j'ai l'impression que tu peux être le leader. Tu viens d'arriver là? C'est quoi? T'es combien dans ton groupe? On est déjà potentiellement 3. Donc avec toi et ton frère, 5. Alors, on est 2, quoi. Non, j'attends une réponse demain. Ouais, on est 2. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on est 1, donc 2. Mais on est 2. On pourra être 4 peut-être demain. Ok. Mais c'est déjà... Donc on est 2, ça veut dire que t'as accepté. Ouais. Dans mes bras, Declan, on va tout niquer ensemble. T'enflamme pas, Joey. Oh putain, ok, désolé. Je suis ambitieux, j'ai plein de projets. Eh ben moi aussi, je suis putain d'ambitieux. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent, mais j'ai des plans pour faire de l'argent. Mais pour faire ces plans, on a besoin d'être nombreux et armés. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, c'est que j'ai un arc et un couteau. Fais-moi confiance. Et j'ai 60 dollars. Ouais. T'as un cheval, toi? Ouais, j'en ai un. Ah, ça j'aime bien. Ouais. J'ai ça aussi. Effectivement. C'est... Ouais, tu as un peu d'argent, toi. Ouais, disons que j'ai quelques contacts, mais... J'ai pas d'argent, non. Tu as des contacts pour te faire de l'argent. Ouais. Mais t'as pas d'argent. Faut juste un putain de groupe, Declan. Il faut juste un putain de groupe de frères. Avec qui je sais qu'on va tout baiser. Des gens qui... Je suis partant. Après, qui me dit que là, t'es pas un petit mec qui essaie juste de me baiser? Mais pourquoi je te baiserais? Je sais pas, pour mes 60 dollars. J'en ai rien à foutre, tes 60 dollars, il n'y a pas de prix d'adhésion. Hein. Mais ça pourrait être une bonne idée pour les prochains. Ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que t'en dis pour les prochains 50 dollars, la carte de club? Je pense qu'ils vont te la mettre si tu fais ça. Ouais, tu je rigole, bien sûr. J'ai dit qu'on partait tous de la même... Tu vois, t'as un revolver. Et si tu demandes ça à un mec qui a un fusil, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je vais tirer un revolver.
Oui, mais lui, il va te laisser partir en mode gentil de loin. Et il va te la mettre de loin, la balle. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'inquiète, je demanderai rien. Ouais, ouais. Mais tu peux les garder, tes 60 dollars. Oui, bah, j'espère bien que je peux les garder. Bon, déclane. Envoie-moi un télégramme demain. Et on se regroupera. Et on commencera. C'est quoi, tu m'as dit ton nom? Joey Kramer. Le Kramer. Ouais. Et parle-en. Ouais, à ton je travaillerai ça. Okay. Oublie pas ça, déclane Morley. Déclane Morley. Je suis ton aime. Déclane Morley. Ok. Déclane Morley, c'est ça. Ouais. D-E-C-L-A-N-M-O-R-L-E, quoi. Déclane Morley, c'est moi. D-L-A-I-D, ok. Ok, okay c'est ça. Parfait. Ok. Je t'oublie pas, m'oublie pas, t'inquiète pas. Ah, on peut pas s'oublier, maintenant on est frères. Ah, bon bah c'est comme ça. Ouais, oui. Je vais boire un petit whisky. Bon allez. À la tienne. Ouais, merci mon grand. Enfin grand. Ouais, oui. Merci, hein. Ouais, j'ai compris. T'as de la chance qu'on est ensemble maintenant. Oh, cowboy. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. C'est tout? Attendez deux secondes. Ah, il est beau votre étalon. Hein. Elle est belle votre. Comment? Pas de quoi dans la vie? T'es chez les Williams? Ah non, du tout. Non. Vous êtes chasseur? C'est ça. Chasseur de primes ou chasseur d'animal? Tout ce qui rapporte. Ah ouais? Du moment qu'il y a un billet derrière. Moi, j'ai quelque chose pour vous. C'est quelque chose pour moi. Ouais. Je connais même pas votre nom. Ouais, ça, c'est justement. C'est... Posez pas de questions. J'ai un recruteur qui vous connaît. Qui m'a dit un de vous recruteur contacter. Qui me connaît. Ouais. Ouais. Oui, pardon. On vous dérange, monsieur? Non, mais genre... Ouais, mais ici, ils sont bizarres. Il vous donnerait 1000 dollars si vous ramenez la tête d'un certain Pablo qui se fait passer pour un Terry. Certain Pablo. Ouais, il a une tenue de mineur avec des cheveux longs. Il est plus petit que moi. Il est habillé en jaune. Il s'appelle Pablo. Ah, je sais c'est qui. Ouais. Sa tête est mise à prix à 1000 dollars. Je vois. Et vous, vous êtes? Je vous ai jamais vu. On n'appelle personne, personnellement. On vous appelle personne? Exactement. Je viens juste délivrer des messages. C'est les Dillinger qui m'envoient. Donc, si vous voulez chercher... Dites-leur que... Ah, une famille de riches. Je suis l'homme sans nom. Et dites-leur... Ah, n'allez pas les voir si vous n'avez pas la tête de Pablo, bien sûr. Mmh. Ok. Eh bien, sur ce, monsieur, je me dois de m'éclipser. Ouais. Au revoir. Suffit quoi. Appuyez sur G pour craft, mais pour craft quoi, wesh. Oh, c'est incroyable. Inch'Allah, il le bute. Chambre à louer, combien? 50 000 dollars, 500 000 dollars. Non, sérieux, c'était quoi ça? Non, mais les gars, je me suis dit, vas-y, il m'a dit c'est un chasseur de primes. Du coup, je me suis dit, vas-y, s'il tue le mec. J'ai fait genre, j'étais quelqu'un, je voulais pas dire mon blase parce que s'il va dire à Pablo, et après j'ai dit ça, je vais mourir. On sait jamais. En vrai, on sait jamais sur un malentendu, il se dit j'ai besoin de 1000 balles, je vais tuer Pablo. J'aurais dû le recruter. Non, j'avais la flemme.